l'honorable Aïcha Touré, députée à l'Assemblée nationale. Mais en attendant qu'elle arrive, on a déjà Madame le maire de Golfe Sud, Khadija Mayekor. Merci Khadija d'être là. On a également le coordonnateur de PASTEP Suisse, membre du Bureau politique national, M. Habib Diop. On a M. Sadir Top également, membre du secrétariat national à la communication de PASTEP, qui est présent. On a M. Idrissa Cissé, qui est secrétaire de général de PASTEP Suisse, qui a fait le déplacement également. Une autre, et non des moindres, Mme Binta Diack, qui nous vient également des États-Unis. Et un autre, une ponte, et qui fait un travail remarquable en souterrain, c'est M. Alun Gay, qui fait partie également de la coordination de PASTEP États-Unis. Et il y en a d'autres qui nous sont, qui viennent vraiment de très, très, très loin. Il y a Mme Nafissa Diadramé qui vient de Moncton avec sa famille. Merci Nafissa d'être là également. Et il y en a d'autres qui sont venus des provinces de Toronto et d'ailleurs, mais ils font partie de PASTEP Canada. En tout cas, merci tout le monde d'être venu et de nous apporter ce... On le voit sur les visages, ce moment de gaieté. En tout cas, merci. Alors, Astou, pour la soirée d'aujourd'hui, ça va être quoi? À quoi on aura droit? C'est quoi le menu? Un menu gastronomique, mais aussi d'activité. Pendant que vous avez déjà commencé à déguster vos entrées, bon appétit. Donc, pour cette soirée, nous allons commencer par une petite présentation de la coordonnatrice de PASTEP Montréal, Madame Awa Camara Kébé. Ensuite, un petit mot de bienvenue de notre coordonnateur, Shérif Diouf, coordonnateur de PASTEP Canada. Ensuite, nous vous projetterons un petit documentaire sur le parcours de notre leader, M. Ousmane Sonko, que une petite équipe nous a présenté, coordonnée par Mme Nafissa Dramedia, qui fera un petit topo sur le documentaire, je pense, après. À la fin du documentaire ou avant? Oui, on l'aura avant, on l'aura après. Après, voilà. Vous allez voir, ça. Un très beau film. Ouais. Voilà. Donc, ensuite, nous prendrons quelques interventions du public. Nous vous demanderons un peu de partager avec nous qu'est-ce qui vous anime dans PASTEP, pourquoi vous êtes membre ou sympathisant de PASTEP, qu'est-ce que vous attendez de PASTEP Canada, de l'investiture et du projet PASTEP en général. Comme ça, ça vous permettra aussi de donner vos opinions et de vous faire entendre, parce qu'on veut vous entendre aussi, parce que nous sommes une grande famille. Voilà. Ensuite, nous ferons un caroute, je crois. Hein? Ouais, on aura un jeu caroute. Un petit jeu interactif. Vous aurez besoin de vos téléphones, donc connectez-vous au Wi-Fi en attendant, si vous n'avez pas des données, ou en tout cas, préparez-vous, ce sera super divertissant. Après ça, nous aurons un invité surprise, on ne vous dira pas qui c'est, mais vous pouvez en discuter entre vous si vous voulez. Ensuite, on aura la cérémonie d'investiture avec des petites interventions de nos invités d'honneur que Lamine vous a présenté tout à l'heure. Des invités qui sont dans la salle, mais aussi d'autres que nous contacterons, je crois, via Zoom et qui sont au Sénégal. Donc, on vous donnera leur nom plus tard. Et je pense que j'ai sauté le plus important, qui est le dîner, bien sûr, Hamnati. Si c'est gagné, gagné ni mom. Bon, bon, c'est une gofate, d'une mokoval. Donc, juste avant le micro ouvert, on vous servira le repas. On a pris un peu de retard, c'est vrai. Donc, peut-être ce sera aux environs de 21h, 21h30.
Entre-temps, gardez-vous des entrées pour ne pas tomber en syncope. Hein? Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça le programme. Et puis, on vous le représentera au fil de la soirée. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va demander, inviter Mme Awa Camara, coordonnatrice de PASTEF Montréal. Awa qui a fait un travail remarquable pour permettre la réalisation de cet événement. Awa Camara. Donc merci à tout le monde. Mon nom c'est Awa Camara Kébé, je suis la coordinatrice de PASTEF Montréal. On est vraiment content de vous recevoir ici à Montréal. Donc vraiment on souhaite la bienvenue à tout le monde. On dit merci à tout le monde. On dit la bienvenue à nos invités qui nous viennent des États-Unis, de la Suisse, du Sénégal et de partout dans le Canada, de Moncton. Il y en a qui viennent de Toronto, vraiment de Québec. En tout cas, dans toutes les provinces du Canada, nous disons merci et nous disons bienvenue à tout le monde. Nous vous souhaitons une bonne soirée d'investiture du président Ousmane Sonko, qui est notre seul et unique candidat pour les élections présidentielles de 2024. Donc, je pense que je ne vais pas vous poser la parole, je vais donner la parole à Raminia et à notre coordinateur, Amadou Chérif Diouf. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée. Merci, merci beaucoup. Merci. Alors, quand on parle de PASTEF Canada, on pense nécessairement à un homme, sans qui aussi on n'aurait pas parcouru tout ce chemin et réalisé tout ce qu'on a pu réaliser. Je l'appelle maintenant le monsieur Finance, je ne sais pas si je l'appelle le coordinateur, il me dit, ben, tu peux m'appeler monsieur Finance. Faire un travail remarquable également. Alors c'est le coordonnateur de PASTEF Canada, on l'accueille monsieur Amadou Chérif. Amadou Chérif Diouf, coordonnateur de PASTEF Canada et en même temps secrétaire national des finances du parti, membre du bureau politique. Donc, j'aimerais commencer par remercier, hein? Remercier tout le monde, notamment le comité d'organisation de cet événement-là. Pour Nimaham, les deux derniers mois, je l'ai passé à Dakar, je n'ai pas été impliqué. Whatsoever événement, ça veut tout dire sur l'équipe que nous avons ici au niveau de PASTEF Canada. Vraiment, merci beaucoup, Guy. Gratulations, Samangal. En même temps, on ne peut pas manquer de remercier hein, nos distingués invités. Ils sont venus de partout, de l'Europe, notamment notre frère Habib Diop et son secrétaire général, M. Idrissa Cissé. Guy, vraiment, merci beaucoup. Nous sommes honorés de vous avoir ici. Ils sont venus des États-Unis. Madame Binta Diak, ensemble. Binta, c'est la première fois qu'on se voit. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Vraiment, il y a Madame Aïcha Touré, notre honorable députée. Yekségoul, mais Hamna bientôt. Il y a notre frère, c'est mon grand frère et mon ami, Monsieur Alun Gueye. Vous voyez, PASTEF, il y a des choses qui sont en train de se faire. Le gars là, c'est un gars brillant qui amène beaucoup de choses à PASTEF. Je veux que vous l'applaudissez. Alléluia. Du Sénégal, évidemment, tu sais, le premier qui m'a dit membre honoraire de PASTEF Canada, c'est Michel Sadir Top. Tente-le, ça me va du monde. Vraiment, merci beaucoup. Madame le maire, Madame Khadija Mayeko Diouf, mon Tamit, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Vraiment, merci madame de nous honorer par votre présence aujourd'hui. Tay ñi ñoo fi nek mais dafa am ñu bëri ñoo xamné dañu yéné won nek fi tay
parfois pour des problèmes de visa, vous connaissez tous, un visa Canada, parfois nous nous mettons. Je ne peux pas manquer de les nommer aujourd'hui. Combien de honorables députés Abbas Fall, ils voulaient être là. Honorable député Cheikh Torombaké aussi devait être là. Notre Madame Yassine Fall aussi, beaucoup de gens qui ont été là. Et je ne peux pas aussi manquer de souligner ceux qui sont en prison. Parce que combien de Bassirou Diomaye Faye, lorsqu'on avait pensé à cet événement-là, c'était la personne qu'on voulait qu'il soit notre invité. Ils sont plus de 700 personnes détenues dans les geôles de Macky Sall. Il faut qu'on pense à eux aujourd'hui. Vraiment, Gaye, on pense à vous. Et puis, l'Union des Fiefs, Inch'Allah, c'est pour vous sortir de prison. Pourquoi? C'est pour investir le président Ousmane Sonko comme notre candidat. Pour qui connaît pas Safe Canada, ce n'est pas une surprise en réalité. Parce que, si vous ne le savez pas, c'est ici, en 2017, que PASSEF a eu sa première victoire à travers le monde. Fini Canada, le monde. En 2017, à 46%, nous avions gagné les législatives ici au Canada, pendant que même au Jachlem Nema, notre président n'avait pas gagné. Nena Gaïna, on peut tout nous enlever sur ça. On est entré dans l'histoire de PASSEF à travers cette victoire. En 2019, on est revenu. On a gagné à 67%. En 2022, à 86%. Et Inch'Allah, en 2024, on sera à 95%. Qu'est-ce que c'est que PASSEF Canada? Qui est PASSEF Canada? Moi, Gaye Nek Fini. Ce que j'aime dans cette organisation-là, lorsque tu viens à PASSEF Canada, tu viens de Kungel, de Fep du Sénégal, Diola, Serer, Catholique, Julit, Nyepangifi, PASSEF Canada. Et la question que je veux que les Sénégalais se posent, pourquoi ces brillants Sénégalais qui sont au Canada votent depuis 2017 pour Ousmane Sonko? PASSEF Canada est venu, de PASSEF Canada est venu beaucoup d'initiatives dans le parti. Parfois, si je regarde les grands programmes du parti, un moment, je me demande, vraiment, je suis content et très fier de cette organisation-là. Je ne vais pas manquer de les nommer, parce qu'en 2017, c'est d'ici, en 2016, c'est d'ici qu'était sorti le grand projet qu'on a appelé le projet Bokona, ce qui a été une très grande innovation jusqu'à aujourd'hui sur le financement des partis politiques du Sénégal. Donc vraiment, affaire du faux flotte. Bin Djogé Tulolo, à la veille des élections, au lendemain des élections de 2019, il va falloir qu'on crée un projet qui va permettre au président Sonko de faire la tournée. Une tournée nationale. Ça s'appelle le Némé Koutour, Lolo Tamil Fille Djogé. On avait discuté sur la manière de travailler pour que qu'on puisse inscrire le maximum de primo-votants, le maximum de Sénégalais. Lolo Tamil le Némé Koutour que vous entendez, Lolo Tamil Fille Djogé. Non, excusez-moi, le Wornombo, Lolo Tamil Fille Djogé. Et le dernier projet, c'est pas certes notre projet. Le projet vient d'Allemagne, mais c'est à moi, en tant que secrétaire national des finances, qu'on l'a présenté et on l'a accepté et on en a fait un projet national. C'est le projet des bracelets. Donc, Gaye, il y a de quoi être fier, vous tous, de tout ce travail-là. Maintenant, je veux répondre juste à deux ou trois interrogations. Les Sénégalais, ils se posent la question. Parce que d'aucuns vont dire, comme nous tous, mon fils me dit, vous me dites que je suis au Sénégal, je suis au Sénégal. Je me dis, papa, pourquoi tu te fatigues comme ça? Parce que, écoute, nous on a tout ici, quoi. Pourquoi tu te fatigues? Tu vas là-bas, tu nous dis que tu risques de faire la prison, etc. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant que je vais te répondre la même réponse que Nelson Mandela avait donnée aux Sud-Africains et aux oppresseurs de l'Afrique du Sud. Parce qu'à l'époque, un moment, on lui avait dit, mais tu abandonnes la lutte. On va te donner une certaine liberté. Parce que dans ton transcrit natal, on va faire de toi le roi. Lula Nek Ngadef. Mounelen, je ne peux pas séparer ma liberté avec la liberté de mon peuple. Ouais, nous tamit, on ne peut pas séparer notre bien-être avec la bien-être des Sénégalais. C'est ce que j'ai dit à mon fils. Et je suis sûr que c'est le cas de vous tous. C'est pas pour nous. C'est parce que on n'est pas bien malgré tout ce qu'on peut avoir ici comme
comme biens matériels, etc. Le jour où on se reposera, c'est le jour qu'on donnera à tous les jeunes Sénégalais les opportunités que nous avons ici au Canada. C'est ce que nous avons fait pour mettre Ousmane Sonko, etc. La deuxième interrogation, les gens nous disent, mais Yen, vous avez un grand parti, de grands intellectuels, pourquoi vous vous fatiguez? Mais cherchez un autre et je suis sûr que vous allez gagner. C'est vrai, nous avons de grands intellectuels dans ce parti. Tous ces gens que vous voyez là, ils ont l'expérience et tout. Mais ça m'agaille, pour nous c'est une question de dignité. On ne peut pas être avec quelqu'un, hein? Ni ni teko injustice, ni toko fi ni nande ni rotioko. Ni notre Ousmane Sonko jusqu'à la fin, je vous le dis aujourd'hui. La deuxième chose, nan ko wax de dé. Écoutez, c'est juste une question de principe. Soit on est un pays de droit, soit on n'est pas un pays de droit. On ne peut pas accepter et on n'acceptera pas que Macky Sall choisisse qui sera notre prochain président. C'est à nous, Sénégalais, de choisir et nous avons choisi Ousmane Sonko. La troisième et non la moindre. Nous, tous, on a adhéré à PASTEF. Si on a adhéré à PASTEF, on a adhéré à PASTEF. Mais nous avons adhéré. Koutinek, c'est Ousmane Sonko personnellement qui t'a convaincu à adhérer à PASTEF. Et ce qui s'est passé les derniers mois et les dernières années, le gars a fait montre, a fait preuve qu'il peut diriger le Sénégal par son courage, par son ténacité et par son leadership. Ousmane est le genre que l'on appelle un leader transformationnel. C'est un gars que lorsqu'il trace les Sénégalais sur, ça vaut 10 ans. L'unité doit me dire sur 10 ans. Ousmane réussira à le faire en 2 ans parce que Nini Degel Nenko, il a un leadership dont le Sénégal a besoin présentement. C'est pourquoi nous, ici au Canada, on le dit solennellement, notre candidat est Ousmane Sonko. Koutako Tilolu, Nélen Sonko président. Sonko président. Dernière chose, nous n'yoko tan, te nous n'yoko y financer. Ici au Canada, nous nous engageons pour la campagne présidentielle de mettre sur la table 100 millions de Français par Malène Korkaï. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amadou Michel. Et quand même, on faisait toutes les démarches pour qu'il soit là, c'est Gagne de Botouré. Oui, alors, le jeune Gagne de Botouré qui coordonne maintenant la JPS nationale. Alors, après ce discours, on a un petit film qui a été réalisé. Vous savez, quand on parle de Ousmane Sonko, il y a son entourage, il y a sa bravo, Chérif l'a dit, son courage, il y a énormément de qualités. Mais il est toujours mieux et toujours bien souvent d'aller chercher du monde de l'extérieur, des gens peut-être qu'on ne voit pas souvent dans les médias et qui connaissent l'homme. Ils sont capables peut-être de nous en dire un peu plus. Alors, je ne sais pas, technicien, si l'élément est prêt, on va regarder cette vidéo-là. Voilà, Nafissa Diame, excuse-moi oui. Nafissa. Nafissa Dramédia, alors, s'il te plaît, sur la scène pour venir nous présenter ce beau documentaire et nous en parler un peu. Hein, Nafissa. Alors, Nafissa, qui nous vient de Moncton, hein? Merci, depuis Moncton. Depuis Moncton. Merci, Nafissa. Donc, Nafissa, vous avez réalisé un documentaire sur le parcours de Ousmane Sonko pour faire un peu une rétrospective et des témoignages qui nous permettra de voir un peu qui est l'homme et pourquoi nous l'avons choisi, nous, pour être notre candidat. Donc, je te laisse présenter, faire une petite présentation. Nous allons lancer la vidéo et Nafissa reviendra par la suite, peut-être juste conclure ou peut-être répondre à des questions. Merci. Merci. Vas-y, Nafissa. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je suis un peu émotive parce que de voir cette belle assemblée dans cette salle, personnellement, ça me ramène 5 ans en arrière, bientôt 5 ans, lorsque la même assemblée s'est rassemblée dans la même salle
pour accueillir notre projet, notre porteur de projet, Ousmane Sonko. La seule différence, c'est que peut-être aujourd'hui, on connaît mieux le projet. Mais c'est le même engagement, aussi ferme et aussi désintéressé, qui nous amène ici aujourd'hui pour investir Ousmane Sonko. Mais qui est Ousmane Sonko? Parce que le connaître depuis bientôt 30 ans, personnellement, ça ne m'empêche pas de découvrir chaque jour une nouvelle facette de cette personne. Le connaître donc depuis 30 ans, disais-je, ne m'empêche pas de découvrir une nouvelle facette de lui chaque jour que je fais. C'est tout un plaisir pour chacun de nous de le voir se révéler à nous au fil de ses apparitions publiques. Mais c'en est tout un autre de l'entendre raconter par d'autres, et c'est à cet exercice que nous invitons tout de suite. Merci. Merci, Nafissa. Alors, si c'est prêt, technicien. Problème de moyens, un problème de logistique. Le yombe. Mouniawati, qui a un livre, mon écon l'a amené, barre ou l'on a un politicien, il y a un def. Di nga gis ko xamne di nga bind autobiographie wala roman wante bala ngay yeksi yalna sotte jam ak salam nga wax lan nga bëgg ci Sénégal tok xalat ko bari wul won mën na wax ne ke ci politiciens yi ci budul ci mën wax ne moko fi ñëkke wante def nako muy wone ne ke lolu ku deggul la yalla def na danaka depuis 2 ans ñoo ngi liggéey mais ma gis ci mom ku bëgg Sénégal ku bëgg Afrique ku am ay idée nouvelle et nga xamni tay ñepp war ka nangul beaucoup de Sénégalais ñoo ngi koy suivre and ak mom
motax yeen nga xamni tay yeenay def son investiture di len di féliciter di len encourager et di len wax ngeen continuer di ko soutenir comme nous autres on est en train de le faire ndax té ño nekkando ci coalition yewi askan wi def nañu tour yu bare on a fait ensemble beaucoup d'élections deux en tout cas yi nga xamni sénégalais yi jox nañu bop te jouer na ci rôle bu majeur donc di ko exprimer toute notre fierté di exprimer toute notre fierté à la fédération de PASTEF de Canada et bu yalla defone tay meeting d'investiture bi mu bëggone def fi Sénégal ñu autoriser ko bu ñu demone cadre yoy lañuy wax ci mom ni nit le ki nga xamni nit ku djubla nit ku bare principe la nit ku am ay conviction la nit ku digne la nit ku loyal la en amitié par rapport aussi au bon voisinage mënuñu am dara luñ koy reprocher parce que limu warlo ak ay voisinam defna tank jamm tank mbok alors mu ngi ci mu ngoy dox gis ngeen ne tabaski bi passé rek solna dalam dugg ci keri ñafa nekkon vraiment ziaré len ñom ñep kon mu doon lu nga xamanteni aussi l'islam ci bopom moko diglé moko santané je pense que dekkondo d'abord mbok la ak dekkondo aussi dafa am donc suñuy analyser rek strictement sur le plan rapport de bon voisinage meuna wax ni en tout cas président Ousmane Sonko avec toute sa famille d'ailleurs ses deux épouses ses enfants ont d'excellents rapports avec disons nous qui sommes les voisins immédiats du président Ousmane Sonko ben jafé comme des voisins normaux donc dañuy demlanté bu fête joté aussi surtout fête ou dîner dañuy dem ziarante et cetera et cetera donc mën na wax né vraiment sonol kenn ci koñ bi alors professionnellement ñun biñu ko liñu ko xamé d'abord dans un premier temps ligéyu ndowuñu Ousmane on a juste travaillé je crois moins d'une année mais au plan réputationnel nit la ko xamné xamna parce que je le fréquentais buñuy liggéey li nga don xam ci mom moy xarañ bi moy c'est quelqu'un qui était extrêmement engagé et intègre parce que administration fiscale ñep lool lañu ko xamal extrêmement engagé travailleur parce que comme je dis dañ don bok ay dossiers avant ñuy liggéeyando ensemble dañ don bok ay dossiers mom mu ngi won centre des grandes entreprises man mané kon centre de Pikine Guedio Way remplacer won ko fa mais amone des missions communes ñu doon bolé donc ci mission yoy di nga xam qui est l'homme ak nan la doon liguéyé qui est quelqu'un qui était extrêmement efficace tranchant un excellent juriste excellent inspecteur des impôts mu doon un inspecteur des impôts en tout cas qui faisait référence ci bir liguéyé en tant qu'inspecteur des impôts lool ngay xamal Sonko ak xarañ bi ak liguey bi parce que bok nañ dossier yu bare bare comme je vous ai dit ci dossier li ngay sétlu moy il était profond dans ses analyses efficace au niveau de du travail et surtout intègre parce que on a quand même partagé des dossiers de yo xamné le contribuable quelque part a tenté mon monnaie conseil de mission bi mais danaka lorsque le contribuable tente de lui demander en tout cas d'accorder des faveurs contre la remise de somme bon il en riait presque quoi et puis il le disait en passant et puis on passait quoi donc c'est quelqu'un d'extrêmement travailleur et intègre au-delà du parcours discours bon hein, sur ce qu'on appelle la transparence sur ce qu'on appelle la gestion des deniers publics hein, sur disons la gouvernance j'allais même dire la bonne gouvernance font que c'est un élément très distinctif. Tay di bu la nexé gati en termes de main propre et lool d'éthique hein lool ben élément la mais du rek ben bobu meuna nek aussi yenen élément bokay faral di wax Ousmane Sonko limu ñu xawa ëppalé ñun ñi tout moy ñun ñëpp dañuy lak wolof mais mom day lak lo xamni moñu ko gëna dégg wala bokku mo moñu ko gëna dégg
muy sénégalais ñun ñëpp dañuy lak wolof waye lak sénégalais mo jëf mom nak réussir na lak sénégalais lolu motax discoursam am ben résonance waxuma la parce que bi muy ñëw xalé yi la andalon mais légui da naka mag ni pa yi ñu xam nga ko wax ñu ñu Ousmane kon donc mom peut-être que au-delà de wolof bi ñuy wax ñun gaay yi diko dégg mom dafa il est allé au-delà des mots pour mëna wax ak sénégalais dans ce qu'ils sont profondément mom lay tuddé lak sénégalais sénégalais mom dëkk bu xawa xawa yéme la bi ci dess aussi mu bénéficier wu ci ben contexte géopolitique bo xamné limu tombé mom tombé wu lon la génération yi ko dit moy les nouvelles technologies yo xamné ça a réduit les distances ça a réduit les espaces même la notion du temps mu bénéficier aussi benen aspect bo xamné qu'on appelle la transition démographique jamais dans notre histoire dans notre trajectoire xalé yi nga xamné amagu ñu 30 ans ñu upp ñi am 30 ans jom kaw bo xol Sénégal âge médian 20 ans 19 ans 20 ans là. C'est-à-dire quoi ñi am entre 19 ans 20 ans population ñu upp fouf ñi am au-delà xam nga lolu lolu aussi dafa nek ben facteur ñoñu sen monde nonu ñu tuddé les digital natives ñom c'est fini gëna orienté moy réseaux sociaux internet etc et puis ñom ñu gissé aduna bo xamni c'est pas forcément ñu jiddu won ci siècle belé non lañu gissé aduna d'abord sax au-delà de aduna ñom sen bop le rapport à soi le rapport à nous et le rapport aux autres li ñi am c'est diamétralement opposé parce que dañu nekk ci monde bu bess dañu joggé ci monde bo xamni disons soit il fallait voir rouge ou bien il fallait voir bleu ça veut dire il fallait être de l'est ou il fallait être de l'ouest il faudrait que ben jour aussi il y ait un arrêt que nous te dit mu am génération yu bess yu ñew mais changer la façon de faire la chose politique au Sénégal et en Afrique d'une manière générale parce que tay retard bi ñu am yep suñu élite politique yi ñoñu ko yobé mais Afrique d'une manière générale et le Sénégal waron na lomb fi bu yagg waron na dépasser fi bu yagg parce que tout simplement nit ñi buñu falo liñu ñëk xalaat moy seen bop seen mbokk etc etc donc duñu xalaat d'abord les préoccupations majeures disons de la majorité des Sénégalais yi nga xamanteni ño gëna sonn ci réew bi mais dañuy xalaat d'abord ñom naka lañuy gérer seen affaire ba paré quoi donc tay bu fekké amna ko ñëw bo andi discours bu wess woné na mom kat famu jaar aussi ba axe fi woné nako témoigné nako woné na bu ñëwé nénen lay téy réew bi nénen lay doxalé mais écoute liko may limu am yépp li tax jeune yi d'une manière générale militant yi mais joxolo yépp mais lool dañu gëm discoursam c'est tout nit ki aussi sa cadre rek nga am quoi parce que Steph n'a jamais choisi le rapport de force choisi rapport de force dañ koy imposer manam bo waxe force moy dole kan mo yor dole fimne ni gouvernement mo yor dole bi ñun yoruñu dole donc ñun buñ dalé suñu kaw lañuy def liñuy wax résistance nga trouver moyen ou faire face avec des armes démocratiques lolou lañu mësa def donc ñun choisiruñu rapport de force mais lorsque le rapport de force s'impose bu yow bo démé ba ceci mur bi xamni xex rek ka dess mëno def lenen. Donc le rapport de force a toujours été imposé à Pasteur. Pasteur musul choisir d'aller vers la confrontation. D'ailleurs, ce n'est même pas dans notre intérêt d'aller dans la confrontation parce que liñu tégal chaque fois diko dor suñu kaw, lolu moñu ëpp doolé. Xamako yor police, yor gendarmerie diko dor sa kaw à chaque fois. Yow amo intérêt di nekk dans yow do andi ay. Liñu def rek ñun moy ñun on est des politiciens, ñun politique lañu xam. Donc politique moy dem ci kanamu askan mi ni len man kat voilà l'offre politique bima len di présenter lool nak buñ la ci imposer un rapport de force dang koy c'est un rapport de force politique bo xamné il faut faire face on est obligé de le faire maintenant comme je dis xam nga y a aucun parti politique buy meuna wax ni ñun dañuy xex jusqu'au bout dañuy xex jusqu'au bout wala dañuy dialoguer jusqu'au bout wala dañuy négocier jusqu'au bout non nous ne sommes fermés à aucune option comme Nico Sonko waxé lepp lo xamné
ñeriñu réewmi la lepp lo xamné jamm réewmi la mais amul ben sénégalais bo xamné war na ci mëna hésiter donc nous sommes tout à fait ouverts sans véritablement sans aucune forme de compromission c'est-à-dire dans l'intérêt du pays boudé ñeriñu sénégal rek mo taxa jog nit ñi luñ ñu proposer nga xamné ñun gis nañ ni li moy ñeriñu dëkk bi dinañ ci dem mais autrement aussi bu féké aussi dañ ñoo rek mettre dans une situation où dañ lay jëma jaay doolé mais jaay doolé aussi gor boko jaayé doolé dina day def face avec les moyens du bord wa luñu mus sénégal musul gis sénégal tek nañ ko tek ko ay militant tek ko parti bi tek ko sénégalais parce que du militant yi rek sympathisant yaangi ci ak ñi nga xamné bëgg nañ ko pour mu yexi comme président ak itamit ay dekkandom ak way yuram ay magam ay rakam li yépp ci choono kenn xamul lan ñikoy dox lan xana dafa melni dañuy tok rek ne tayji xara rek ñu set diw wala bok ku nekk ñu tégal la radar ku bok ci mom ku ko jégué rek ñu tégal la radar di xaar ben porox ndollu mo am sens mo amul sens ñu ñew jël ci la ne la rapté ci mais solution bi ben rek la nañu xex rek ba jëlé len fi nañu xex rek Ousmane Sonko bok nañu xex rek ba suñu démocratie deuguer bañuy togaat ñun ci suñu bop naan li naka lañu mëne ñun sénégalais dama temps en temps dama naan ñun sénégalais naka lañu mëne sété bi sétané li di lek di naan di teud di nelaw lo xamné mais c'est pas possible bo tay sumay wax ak yow ni ak barrière yi mais on le vit très très durement dañ koy dundu bu metti parce que dañu am ay njobot dañu am ay soxna am ay suñuy dom am ay tout tank yu fa nek lélé aussi say wayjur ñew fa say kilifa ñew fa wala say kilifa say mbokk ñew fa ñuy ay mak yu wéredi mais écoute situation yi ñu jottu dundu ñun en tout cas ba fi may wax ak yow ni mais metti na ba jéggi dayo alors donc en 2021 déjà mars 2021 mais man suma keur champ de bataille lone parce que le mur bi déjà mur de clôture bi c'était accessible dafa gat mais pratiquement fa la gaay don dakhante ak alkati tokyo ki da ngay dem ci cour bi fekk ben tokyo bi daanu suñu vitrine ni toj mais grenade lacrymogène ci bir keur gi xair gi ci bir keur buntu keur gi mais yi ñoon tal tout ça c'était devant la maison mais amna ñuma gëna metti la suma auto sax déjà yaq won na ci mais amna ñuma gëna metti la amna ci benn voisin mo am auto dañ ko tal donc on l'a vécu de manière très dure ces événements là mais dañu sant yalla rek parce que tout simplement dañu gëm né disons dafa nekk ci dëgg di xex parce que bu xexul aussi voilà ni ñëna ni mujjé damay emprunter le monde de la lutte bu la nexé ngéni Ousmane Sonko moy ñaaw ngemb rafet beul bu woné ñaaw ngemb moy dugg ci bi taxu ko won am solo trop lo dal manam amateur bayi wuñ ci won xel trop ndax na mu duggé moy législative yi mu am plus fort reste waye mbeur nak du ci dugg bi du ci sax ngemb bi mais ci bëré ba bañu duggé nak 2019 mo wone ci ay clé gaay yépp xamni mbeur mi avenir la dess dana jot dana ubub lamb légui li fi jotto xew moy ka fi nekkon 2019 yag li ñaan garab ci kaw lay fekkante xam nga pour les vrais amateurs de lutte amone ni yag balla gay dana bari taizen ni xam lamb deug xamone lañ yag balla gay dina bari yekki ni parce que da nek ci yoon Ousmane nak da nekkon ci yoon mais Ousmane li gëna marqué nit ñi bu ci ngemb ba bu ci dugg ci arène ba mais nam bari la nam bari moy da fay fekk mbeur mu mak mu ñuy wax ay aji fang wa cha mu mën ci lamb ji
ñi da leen ak galgal mbot leen dor leen jaral dor dem ci souf par exemple Karim Wad comprend ñi mu dor leen direct ñu kaw Khalifa Sall mu ñew nak dajek benn mbeur mo xamni les rapports de force étaient inégal gaay yépp di xaar victoire ba ñu ñëwé ci bëré ba ñu ni bëré Ousmane mom lay wowe boy diw tir parce que lamb ji dañoo baxo ñu wut ay nom d'empereur Macky Sall moy aji fang 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 wacha cha cha ñu né ciang am nga mbeur du tuti ndax day mag dal mom dal da ko xébol par boy diw tir japp ci ngeb la mo amatu fu mu japp ci senghor ay nek li ko jaxal moy bi boy diw tir jappé ci ngembali wacha cha cha dafa fogon ni xale bi da koy bëgg tégal ses mu jël tank yu ruxu ci souf ci deugal bopam Ousmane wër ko ndomba dar koy tek tekum biir mu daldi daanu repp ñaari loxoy ag souf gaay di wérante ñaari jeune yi lal non soufam det lolu moy 2021 sitor ardul bu mag bi xol affaire yi ñi dem var ñi bisse gaay ne 3 appui te 4 appui moy jël ñu leen dégé ni sa gatt mais bi ni sa gatté boy dootul da ko door ku mo am blessure di nacc direct te direct kenn duko béré walé ñi démé ci ardo ardo ni pour l'intégrité physique du lutteur ndax carrière yamul ci ben combat ci mënatu la béré day génn ci langue moy li fi mu jé xew mu déclaré kouba mu ko ko door 2023 événement joyeux bañu ko xolé ni ci mënatu la béré moy Macky Sall né man mënatuma bok légui nak fuñ ci tollu moy président Macky Sall da fay def li ñuy tuddé ci lamb manké fair play ndax mbeur mu mak dafa bokk ci ay taré duñu la gagné ngay xajamal victoireu jambour bu bi ci xëpp souf mok mak mok Ousmane Sonko fofu lañ toll manam Ousmane génné nako langue bi num ko génné langue bi parce que ce n'est pas un homme qui fait l'histoire c'est le peuple qui fait l'histoire dans la vie de tous les jours ce sont les hommes réunis en le peuple qui font l'histoire et le président ou le décideur il décide de la tournure de l'histoire en l'espèce la décision du président Macky Sall djel ne dotul defat mandat boku du décision lolu décision la mais lolu peuple bi du histoire am histoire peuple bi la les pressions de toutes parts au plan interne externe mom nak mu joxe fa djel ci décision ndox ñu gile décision dotul bon légui nak dañu nek ci contexte wu ñak xajamal victoire bo mi té commencé doko comme nan amon na droit dem ak dédé yoy yep boku na ci manque de fair play kon mbeur buñu la daané li ci déssé moy nga baña xajamal victoireu jambour comprend nga bañ ko wutat lay ndax bis ba ngay nek ba ngay daanu mbeur yi dañ koy wax jour bobu ciune ngay do kon mom daanu na mais bu ko xajamal affaire yi melen nak ñu toll ni du ko bëgg xajamal donc suma ko don résumé Ousmane Sonko li tax mu attirer nit ñi ci kiyom moy dafa dugg ci arène politique arène politique mok arène lamb dañu am lu ñu bokk té na mu duggé duggun bi taxoko won rafet trop mais té na mu bëré ñu xamni mbeur ak akkan la té ka yag 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 lamb bi té lo xamni mu nit la aussi nga xamni bëgg na Sénégal bëgg na Afrique di ko souhaiter aussi vraiment bonne chance très bonne chance pour l'élection présidentielle de 2024. Ousmane Sonko est un homme qui nous plaît de voir évoluer dans le landerneau politique et dont nous épousons parfaitement les idées. Pour nous tous qui croyons au projet qu'il porte, il a les qualités et la probité morale attendues d'un leader.
Mais au-delà de l'image que la vie politique nous renvoie, nous avons voulu marquer une pause et observer un recul pour vous permettre d'en apprendre davantage sur l'homme raconté par d'autres. Tatulenko.
Je vais passer mon micro. Juste une précision, là on est en train de servir les repas. On vous invite s'il vous plaît à sortir les étiquettes pour permettre, pour faciliter le service. Donc c'est soit poulet ou saumon, mais c'est important pour ceux qui servent en ce moment de voir les étiquettes. Posez-les sur les tables s'il vous plaît, vous sortez les étiquettes, ça leur permet de faciliter le service. Alors. Merci. Donc pendant que le service commence, je vais permettre de merci beaucoup, Asou, merci beaucoup, Lamine. Bonsoir, PASTEF Canada, bonsoir à tous et à toutes. Je me demande si nous devons continuer la cérémonie, si nous n'allons pas faire une pause, parce que souvent, et bien souvent, l'humain et le Sénégalais de surcroît, en face de ce qu'il convoite, Madame Bouilek, Khelmi Day Diakhal. Est-ce que vous ne devez pas vous dire 5 à 10 minutes avant que l'on continue? Lamine, Astou. Parce qu'on a une particularité, c'est-à-dire, oui. C'est qu'on est multitâche. Oui. On est capable de faire beaucoup de choses en même temps. Je sais que oui, les gars sont concentrés dans les poulets, les saumons, mais pour des contraintes de temps, parce que la salle, on l'a louée. Exact. Puis à un moment donné, il faudra la libérer. Oui. Alors, on va quand même essayer de poursuivre. OK? Alors, donc, on va poursuivre la mine. Merci beaucoup. C'est tout simplement le doute que j'avais. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons des contraintes de temps, parce que la salle a été louée jusqu'à, si je me trompe, 23h. Merci beaucoup d'être là. C'est moi-même aujourd'hui qui vous reçois ici, parce que c'est la deuxième fois que je viens ici à Montréal. La première fois, c'était au mois de février dernier, où j'ai eu à rencontrer le bureau de PASTEF Canada. Mais que serait PASTEF sans la diaspora sénégalaise? Que serait même aujourd'hui la diaspora sénégalaise sans la diaspora canadienne, sans la diaspora de l'Amérique du Nord? Je le dis parce que tout simplement, en nombre, les États-Unis d'Amérique, mais surtout en compétences et en stratégie, on pourra dire le Canada. Et comme mon grand frère Chérif l'a dit tout à l'heure, l'histoire retiendra que la première fois que PASTEF a eu à enregistrer une victoire, elle l'a enregistrée ici au Canada. Et ça, c'est l'histoire qui le retient. Vous savez, ceux qui font de la gestion, ceux à qui on confie souvent des tâches, ont des obligations de résultats. Les médecins ont des obligations de moyens. Mais nous, PASTEF, aujourd'hui, à cet instant, avant que ne débute le débat, je vous assure que nous n'avons qu'une seule obligation. C'est celle d'investir et d'imposer la candidature du président Ousmane Sonko. Vous savez pourquoi? Parce que l'obligation de victoire, une fois que nous aurons donné le ticket de la candidature du président Ousmane Sonko entre les mains du président Ousmane, je vous assure que je n'ai vu homme plus digne, homme plus honnête, homme plus engagé, homme plus sincère à conduire le développement du Sénégal. Et il va le faire. Motax dañuy tambali li nga xamantene mom moy débat bi. Je vais inviter, amna liste buñu ma joxone, je vais les inviter. Nous allons discuter de PASTEF, de sa vision, de la perception de son leader sur ce que doit être le Sénégal, sur le fil conducteur bi nga xamantene fa lañu wara jaar pour que le Sénégal puisse se développer. Mais je sais d'emblée que quel que soit
la vision qui sera présentée, elle sera similaire à ce que Nelson Mandela avait dit lorsqu'il s'apprêtait à aller en prison. Nelson Mandela avait dit « J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique, dont tous les membres pourraient vivre ensemble, en harmonie et avec les mêmes chances. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère réaliser. » Mais qu'est-ce que tu as? Mais si nécessaire, ce qu'on dirait, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Aujourd'hui, au regard de la situation dans laquelle vivent les éminents membres de PASTEF, de quelque bord qu'ils soient, de quelque station qu'ils occupent, au Sénégal, vous voyez très bien que PASTEF est en train de subir, mais PASTEF est en train de subir avec énormément de dignité. Vous voyez ce qu'on a fait PASTEF, il faut que vous ayez avant moi les panélistes. Vous savez ce qu'on a fait PASTEF? Qui a PASTEF, ce qui est le plus important PASTEF, Macky Sall, ce qui est le plus important prison. Il dit que la prison est ce qui est le plus important pour les gens, ce qui est le plus éliminer les gens dans l'espace politique, il ne peut pas savoir ce qu'on a fait. Il est venu là, il ne sait pas les gens, les gens, les. Tout cela, c'est en vain. Vous savez pourquoi? Moi-même qui suis en train de parler, je suis prêt, une fois à l'aéroport au Sénégal, qu'on dise que voilà, il a prononcé le mot de Macky Sall, mais il n'y a pas de problème. On s'en fiche royalement. Et pas parce que nous ne voulons pas être libres. Pas parce que nous sommes des suicidaires, mais parce que nous aimons notre pays et que nous croyons en ce projet et à cette vision. Kon Semou Diouf, yow lay ñëk wo nga fekk sima ci plateau bi. On va parler de la vision de PASTEF, comme je l'ai dit, et de la perception que son leader a. Je vais également appeler Amidou, lui il va nous parler du système et le projet PASTEF. Le système et le projet PASTEF. C'est moi, s'il vous plaît, asseyez-vous, prenez place. Ibrahima également, qui lui va nous parler, va nous faire un diagnostic de la situation actuelle du Sénégal. Ibrahima Gassama. Ibrahima, bienvenue. C'est moi, va nous parler de la vision et proposition de PASTEF. Voilà, je sais que Yenagi Khéoulou, on va paloter entre le français et Wolof. Après Aliou Ndiaye, voilà, Binet Diack, je vais faire un peu d'anglais, pour faire un peu aussi, on sera beaucoup plus à l'aise. Mais pour le moment, Amidou, tu es là, Tambalé, nous avons aujourd'hui, parce que tu es là, et tu es là. Tay bo ñu doon wax ci thème bi nga xamantene mo la wax lan ngay wax ñi nga xamantene ñom ñoy PASTEF Canada la diaspora sénégalaise. Mais précisons également qu'en ce moment même il y a un direct sur Diotna et sur la page Facebook de PASTEF Canada. Donc tous les patriotes d'où qu'ils soient ont la possibilité aujourd'hui de suivre en ce moment même et en instantané le débat qui est en train d'avoir lieu. Amidou. Salam alaykoum tout le monde, bonsoir tout le monde. Juste si c'est bien ouvert. Assalamu alaikum tout le monde. Merci tout le monde de votre présence à cette cérémonie d'investiture. La question qui m'a été posée, c'est quoi le thème? Souvent, quand vous écoutez le discours PASTEF, je pense qu'il y a deux mots qui reviennent régulièrement, le STEM et le projet. Pour parler du STEM, en fait, il faut retourner un peu dans des documents stratégiques de PASTEF. Dans l'un de ces premiers documents, il y a l'appel aux patriotes. L'appel aux patriotes, en fait, fait un résumé de tous les maux qui gangrènent notre pays
Et dans ces mots, en fait, on peut noter par exemple l'endettement chronique, le fait qu'il n'y a pas de transformation au niveau du pays, la corruption endémique, des modèles de développement qui ne sont pas adaptés en fait à nos réalités sociales. Et parmi ces mots, en fait, là, il y a tous les plans qui ont été élaborés, par exemple, depuis des années 60 jusqu'à maintenant. On parle des plans quinquennaux, on parle des politiques d'ajustement structurel. Et tout récemment, on parle également du PSE, etc. Et le problème avec ces plans, c'est qu'ils ne sont pas adaptés à nos réalités sociales et à nos réalités socio-économiques. Ça, c'est l'un des principaux éléments du système, en fait. Et l'autre élément du système est en lien, en fait, avec ce qu'on appelle, par exemple, l'attitude des gens, les comportements des gens dans l'environnement politique. Autrement dit, les gens considèrent la politique comme une façon de s'enrichir, une façon de régler leurs intérêts crypto-personnels. Et c'est souvent ces pratiques malsaines qui font que la population, de façon générale, ne parvient pas à régler ses préoccupations, à régler ses besoins. En résumé, c'est ça le système. Et une façon, par exemple, de régler tous ces maux du système, c'est de là qu'on parle du projet PASTEF. Et le projet PASTEF, en fait, fait des propositions thématiques que vous avez vu dans le livre Solution, mais également que vous avez vu dans le programme Diodna, qui vise en quelque sorte à apporter des solutions de façon, des alternatives pour que les populations, en fait, puissent épanouir sur tous les plans, aussi bien sur le plan socio-économique que sur le plan culturel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amidou. Nous avons fait un système de projet, mais tu nous gardes également, nous disons Amidou, vous avez essayé d'expliquer exactement les problèmes que nous avons. Et en quelque sorte, c'est ce que le président Ousmane Sonko, vous lirez même son livre Solution, moi, presque la première phrase de son livre, moi, le débuté, moi, le problème même du système. Aujourd'hui, je vais être journaliste, être très offensif. Souvent, on dit que oui, PASTEF a dit que système B, mais aujourd'hui, est-ce que PASTEF n'est pas dans le système? On nous a vu avec d'autres membres aujourd'hui qui démontrent par leur attitude dernièrement qu'ils ont toujours été dans le système et que nous, Wahne PASTEF donc aussi, est-ce que PASTEF n'est pas dans le système? Mais en réalité, le système, ce n'est pas forcément les individus. Le système, ce sont des pratiques malsaines, ce sont des modèles qui ne sont pas adaptés à nos réalités socio-économiques. Évidemment, l'attitude des gens peut refléter, par exemple, une non-conformité avec ce que nous prenons en termes de valeur. Mais le système, d'abord, ce sont des pratiques qui sont instaurées depuis les années 60 et qui font que le Sénégal ne peut pas, par exemple, asseoir une base industrielle solide, mais également la démocratie, en fait, est souvent malmenée. Donc, une personne peut bel et bien faire partie d'un régime politique, mais ne pas avoir ce genre d'attitude. À un moment donné, s'il est conscient que lui, ses positions ne sont pas en conformité avec les valeurs auxquelles la personne croit, il peut tout à fait dire que moi, je sors du système. Maintenant, ce qui arrive souvent au niveau de PASTEF, c'est qu'on a eu à collaborer avec des gens qui sont historiquement reconnus comme étant dans des militants, des membres de partis politiques qui ont géré le pays pendant plus d'une quarantaine d'années. Ça ne veut pas dire qu'on a renoncé à nos valeurs, et même l'actualité récente le révèle. PASTEF est resté fidèle à ses valeurs, à ses principes, à sa rigueur dans la vision et dans les pratiques de gestion qui permettent de gouverner le pays. Et ça, c'est notre posture ne changera pas, en fait. Là, on parle de projet, le projet PASTEF, le projet. Amna ben kilifa bo xamantene daf ma dab à Dakar, ne ma yew taxaw len. Le projet. Le projet, c'est quoi exactement? Le projet, en résumé, c'est une vision qui propose de nouveaux modèles de développement. Je vais donner un exemple concret. Au Sénégal, depuis les années 60, on a plusieurs plans que vous avez vus là, vous le voyez, des plans d'ajustement structurel, des plans quinquennaux, des plans PSE, mais également des programmes d'urgence. Là. Maintenant, nous, ce que nous proposons, en fait, c'est que des programmes, une vision qui est plus adaptée à nos réalités socio-économiques. Je vais donner un exemple. Là. Sur le plan économique, au Sénégal, il y a un problème de modèle économique parce que tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos ressources,
on les exporte à l'extérieur sans pour autant faire de la transformation. Donc ce qu'on propose, c'est un modèle de substitution des importations par une transformation locale, en essayant d'asseoir, par exemple, des industries dans toutes les contrées du Sénégal. On fait de l'agriculture, il y a plusieurs types de cultures qui se font, mais il n'y a pas de transformation locale qui se font pour assurer notre autosuffisance alimentaire. Il en est de même pour les autres secteurs, que ce soit la pêche, l'élevage, ainsi de suite. Ça, c'est des éléments concrets du projet PASTEF. Mais l'autre élément qui est important au niveau de PASTEF, c'est l'éthique et la bonne gouvernance. Nous avons prôné le travail et l'éthique. Et c'est pourquoi le nom du parti s'appelle Patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. On a rajouté Patriote africain pour déclarer, par exemple, notre vision panafricaniste. Mais de façon générale, on veut lutter contre la corruption, on veut mettre en place des pratiques de gestion saines, comme ça se fait dans toute administration moderne. Vous venez ici au Canada, je suis certain que vous prenez ici, vous verrez beaucoup de structures où il y a le non-service. Centre des services aux citoyens, Service Canada, ainsi de suite. Donc on est là pour répondre aux préoccupations des citoyens, et c'est ça la fonction première d'un État et de tous ses départements, en fait. En résumé, c'est ça la vision de PASTEF. Merci beaucoup, Amidou. La vision de PASTEF, Amidou, amna lum ñu ci wax, amna également lum ñu expliquer ci li nga xamantene mom lañuy wax le système. Légui nak on va essayer de donner la parole à Ibrahima Gassama. Il va nous faire un diagnostic de la situation actuelle du Sénégal. Sera-t-elle rose ou morose? Sans doute vous avez une idée, mais au moins il pourra vous donner des exemples, des faits concrets, des suites de ces analyses. Ibrahima, qu'on lui donne la caméra. Ibrahima, s'il vous plaît, public bi dafa bokku ci débat, et comme je tiens à ce que public bi participe, suma joxe kaddu bi duma ko jox ku yëkëti loxo ci public bi lay tan nit nako ci débat bi naka nga gissé la nga giss ci sangam ak sangam. Maintenant, si vous tenez à ce que je vous pose une question sur ce débat et sur les thèmes développés sans que vous n'ayez d'idée, cela voudrait dire que vous n'avez pas suivi, mais vous avez suivi votre ventre. Et j'espère que vous n'allez pas le faire. Donc, Ibrahima, je vous donne la parole. Okay. Oui. Oui, c'est ce que je pense. Mais comment vous allez vous en ajouter? Exactement. Donc le président nomme des magistrats à travers des consultations domicile pour un seul objectif, liquider un opposant politique. En l'occurrence, voilà, Ousmane Sonko, et c'est arrivé par le passé là sur d'autres candidats. Aujourd'hui, cela aussi crée un sentiment d'impunité. Donc pour la majorité des Sénégalais, le président peut évidemment faire tout ce qu'il veut et sans pour autant qu'il y ait une reddition de compte. Et à côté de cela, il y a cette fameuse caisse noire, grosso modo d'un budget de 10 milliards que le président peut utiliser à ses bons vouloirs. C'est seulement au Sénégal, évidemment, et certains pays africains, que le président peut se lever, créer des milliardaires sans aucune valeur ajoutée. Alors on sait tous, nous qui vivons ici au Canada, que le 1 dollar que nous gagnons, on le mérite et il faut que ce soit travaillé. Mais au Sénégal, malheureusement,
le président peut se lever, créer des milliardaires qui effectivement ne contribuent pas à l'économie du pays. Donc ça c'est un des problèmes aussi que nous rencontrons, qui est un des fléaux et un des principaux, voilà, des principaux problèmes que nous vivons actuellement au Sénégal. En plus de cela, le président peut nommer aux emplois civils et militaires comme il veut, à sa guise. Et ça aboutit, et on le constate aujourd'hui, qu'au Sénégal, il n'y a plus de mérite en fait. Il faut être politicien, membre du parti présidentiel, pour qu'on puisse te nommer à des postes de direction. Et grosso modo, le résultat ne compte plus, il n'y a pas de reddition de compte. Et là, on assiste aujourd'hui au déclin de toutes les institutions au Sénégal. Donc pour ce faire, si on revient par rapport à l'administration de façon générale, donc tous les cadres aujourd'hui, pour avoir une promotion, il faut être membre de l'APR. Et là, ça contribue effectivement au déclin de l'administration, car jadis au Sénégal, les cadres sénégalais étaient très très considérés à l'extérieur. En Afrique, quand on dit ce cadre venait du Sénégal, il était respecté. Et malheureusement aujourd'hui, quand on voit nos cadres aller nous représenter à travers des forums ou bien à l'international, ben c'est un sentiment de honte que nous vivons. Pas plus tard qu'hier, j'ai lu un article là qui faisait un diagnostic par rapport aux problématiques que les employés du ministère vivent au niveau des ambassades, parce qu'ils ont pas, le salaire ne sont pas versés. Les consuls, les ambassades sont des personnes incompétentes qui sont nommées uniquement parce qu'ils sont membres de l'APR. En plus de cela, donc le pouvoir judiciaire. Donc, avec les consultations à domicile que nous vivons actuellement, donc les magistrats ou les juges sont nommés uniquement au bon vouloir du président de la République pour liquider des adversaires politiques. Donc toutes ces problématiques, effectivement... Donc toutes ces problématiques que nous vivons actuellement sont dues à cela. Donc si on revient... Donc au niveau de l'industrialisation, avec le taux de chômage élevé de la jeunesse, aujourd'hui le Sénégal, l'industrialisation compte uniquement environ 17% du PIB, alors quand on regarde les pays en voie de développement, les pays émergents, on table autour de 30%. Donc cela est dû uniquement au fait que toutes nos ressources, nos matières premières, c'est les matières brutes qui sont extraites du pays et exportées à l'international, et on sait tous que c'est la transformation qui pourvoit beaucoup plus d'emplois. Donc pour régler ce problème d'employabilité, il faut effectivement que toutes nos ressources exploitées au pays y soient transformées. Malheureusement, on voit l'or de Kédougou qui est juste extrait de Kédougou, et les populations ne voient même pas la couleur et c'est exporté. Le pétrole actuellement que nous allons vivre, le zircon et le phosphate, idem. Donc le pays ne bénéficie même pas de toute cette manne et toutes ces ressources financières. Donc comment pouvons-nous nous développer si on ne transforme pas localement? Donc tous les pays développés ont commencé par cela, et cela effectivement qui crée donc tout le chômage de la jeunesse. Donc en plus de cela, quand on revient au niveau du système éducatif, donc là c'est l'inadéquation entre les offres de formation et le marché de l'emploi qui effectivement crée un gros problème par rapport à l'industrie. Si on prend l'exemple concret du Canada, donc toutes les industries ont la possibilité d'aller voir les universitaires pour créer des formations sur mesure qui sont propres au secteur dans lequel ils évoluent. Et ça, aujourd'hui au Sénégal, malheureusement, donc les étudiants sont gradués, ils ont leur bac, on les envoie à l'université pour faire des formations qui sont très très générales, et à la fin, ils se trouvent sur le marché en fait du chômage. Et ça, c'est malheureusement un des gros problèmes auxquels nous vivons. Donc aujourd'hui, on peut poursuivre ce diagnostic du côté de la santé, idem là. Donc là, l'offre du côté de la santé est très 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 faible. Quand on regarde au niveau des coins éloignés, on peut construire des nouveaux hôpitaux, mais il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'équipement qualifié. Il y a aussi ce problème d'entretien. Quand on regarde au niveau des entrepreneurs sénégalais, tous les grands marchés aujourd'hui sont gagnés par les entrepreneurs occidentaux. Donc quand on regarde par exemple dans le domaine du BTP par exemple, donc tous les grands projets d'infrastructure routière, de bâtiments sont construits soit par des Chinois, des Turcs ou des Français. Et ça c'est inadmissible. Tout pays qui veut se développer, et le Sénégal, si on remonte de 20 ans en arrière, tous les grands entrepreneurs étaient des Sénégalais. Maintenant malheureusement toutes ces compagnies ont disparu. Et ça,
toutes les ressources, les richesses qui sont créées sont aussi exportées et ça, ça contribue au sous-développement du Sénégal. Donc voilà, pour le diagnostic, ça dit qu'on peut passer toute la nuit à faire le diagnostic. Donc on sait, voilà, tout ce que le Sénégal traverse, des situations très très difficiles, et à cause du leadership que nous avons et un président incompétent que nous avons à la tête de ce pays. Donc je passe la parole. Merci beaucoup Ibrahima. Peut-être une question de relance, parce que le gouvernement a toujours donné de certaines informations, disant par exemple que le taux de croissance qui aujourd'hui quand même est un instrument de mesure du niveau de... En tout cas, d'une tendance vers un développement d'un pays, le taux de croissance du Sénégal est passé de 4, 5, 6, même bien avant la Covid-19, à 7%. Mais on ne sent pas la redistribution de cette croissance-là, parce que quand on parlera de croissance, on parlera de richesse. On ne le sent pas dans la population. Est-ce à dire, en dépit de ce taux de croissance-là, reste à vérifier d'ailleurs, que nous avons une économie totalement extravertie? Oui, oui, en effet, ça dit. Comme je l'ai dit, comme je l'ai mentionné tantôt, si on prend l'exemple du secteur du BTP, donc tous les grands projets, donc tous les grands contrats sont donnés à des entreprises occidentales. Donc forcément, donc toute la richesse qu'ils vont créer, donc ça, ils vont l'exporter chez eux. Ça crée certes une croissance, mais c'est une croissance vraiment extravertie qui est exportée chez eux. Voilà, et l'argent, effectivement, le contribuable sénégalais ne le voit pas, le ménagère ne le voit pas dans son panier. Certes, il peut y avoir croissance, mais si la croissance est extravertie, si la croissance est faite par des entreprises qui n'appartiennent pas aux Sénégalais, ben, malheureusement, on ne pourra pas voir cette richesse-là. Mais une dernière question, est-ce que, parce que ce sont des idées qui me viennent en tête, mais sur la base d'informations et de faits que nous avons vus, que nous avons constatés. Nous avons vu, par exemple, à travers un marché, que l'on donne des marchés à des amis, sénégalais certes, mais souvent de grands souteneurs de la coalition Benno Bokk-Yaakaar. Ça également, est-ce que la question de la transparence, la question même des marchés, comment on donne ces marchés-là, tout cela ne devrait pas être revu pour que les Sénégalais, tous les Sénégalais, comme le disait Nelson Mandela, aient les mêmes chances? Oui, malheureusement, tout est politisé. Donc les appels d'offres ne sont pas transparents. Donc tu peux soumissionner, mais il y a un deal qui se crée. Donc tout cet argent-là, malheureusement, est redistribué, repartagé, voilà, entre les tenants du pouvoir. Donc le citoyen lambda et un entrepreneur compétent n'y voit rien. Et c'est ça qui explique, malheureusement aussi, la qualité de nos la mauvaise qualité de nos infrastructures. Merci beaucoup, Ibrahima. Je me tourne vers Semou qui va nous parler de la vision et de la proposition de Pasteur. Cette partie, elle est importante. Parce que souvent, vous savez, Macky Sall ko neex critiquer parce que da monout. Waye bo critiquer ba paré lan nga fay tek? Qu'est-ce qu'on va proposer aux Sénégalais? Quelle est la vision de Pasteur, la vision du président Ousmane Sonko? Semou dina ci wax touti rek tiof ci jox len. Semou, à vous la parole. Merci beaucoup Sadir. Mais man douma wax be tank sal bi deglu wuñu parce que liñuy wax ni c'est hyper important parce qu'on parle de la vision de Pasteur, donc son modèle de développement bi nga xamné mom lañu bëgg proposer les Sénégalais inshallah quand on sera au pouvoir en 2024 et inshallah yalla dina ko def. Donc la vision de Pasteur, il faut le dire, on veut promouvoir un développement économique, social, environnemental, qui répond au premier plan aux besoins exclusifs des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est-à-dire, on va faire un développement par les Sénégalais et pour les Sénégalais. Donc, on veut tout simplement que ce développement soit endossé sur des principes. Principes, dans un premier temps, la souveraineté, le patriotisme, l'inclusion, le partage équitable, l'empowerment et le rendre compte. Ça, c'est des principes qui vont guider notre façon de faire une fois qu'on sera au pouvoir. C'est-à-dire l'égalité des chances, c'est-à-dire effectivement, c'est ça qu'on va mettre en œuvre. Et que sur nos premiers projets, d'abord, c'est retrouver notre souveraineté. Quand je parle de souveraineté, je parle d'abord de souveraineté alimentaire.
Et pour retrouver cette souveraineté alimentaire, il va falloir réinventer notre système de production agricole. Aujourd'hui, depuis 1960 jusqu'à nos jours, on est dans une agriculture de subsistance. Jusqu'à présent, les paysans au Sénégal ne parviennent pas à produire de quoi manger 12 mois sur 12. Et c'est inadmissible en 2023. Donc, le système de production, il faut donc le révolutionner. Ba tay di ni bo démé ci all bi bu yalla di tawé ñi nga xamné dañoo dëkk ci village ba tay di ni semoir lañuy utiliser ak mbam wala fas wala nak. De 1960 jusqu'à nos jours, on n'a pas pu révolutionner le secteur agricole. Et ça, c'est vraiment très grave et catastrophique. Donc, tay di ni ben exemple bi nga xamné mën na ko joxé dans ce programme là moy que ñun suñu ambition moy d'implanter 5000 fermes agricoles modernes. Donc, un programme de modernisation de l'agriculture. Voilà. Implanter 5000 fermes agricoles modernes à travers tout le pays. 5000 fermes agricoles, vous savez que minimalement 50 hectares. Et puis, c'est des fermes clés à main qu'on mettra à la disposition des jeunes. Ça sera un grand moyen pour lutter contre l'emploi des jeunes. Parce que l'agriculture va être le moteur, l'épine dorsale de notre développement. Parce que les amnengo, on a les ressources, on a la terre, on a le soleil, on a l'eau, donc il faut que nous liguions. Deuxième élément, aspect important, c'est qu'on va travailler sur un deuxième levier, c'est-à-dire qu'on va mettre en place au moins 25 000 coopératives agricoles. Parce que si nous sommes beaucoup de pays, nous sommes beaucoup de pays. Les paysans de Yelimano, de Senokare, de Beliwamedaka, dans le Mboumboum Foulbe, dans le Djankemaha, très loin, très éloigné. Ils ont des problèmes pour accéder à l'engrais. Ce n'est pas normal. Dans le Ndjombato, dans le Saloum, les paysans nous sont de hol parce que ils ont des engrais, ils ont des coulées. Le système, il faut tant que changer. Renforcer la capacité des paysans en leur permettant de s'organiser autour de coopératives agricoles fortes, autour de chaînes de valeur agricoles à fort potentiel. En ce moment, tant que ok, donc je disais que c'est hyper important par rapport à l'agriculture et que pour moi c'est un des éléments principaux pour le programme de PASTEF, le secteur primaire. Donc on va devoir produire assez parce que nous avons un problème d'industrialisation, nous avons un problème de transformation. Si on ne produit pas assez, on ne peut pas transformer. Si on ne produit pas assez, on ne peut pas exporter. Donc, pour nous créer de la valeur ajoutée, il va falloir tout simplement assurer une bonne production et autour de cette production, d'implanter une chaîne industrielle au niveau de tous les pôles de développement économique pour la transformation de nos produits agricoles, mais également pour la transformation de nos produits halieutiques. Une des propositions qu'on va faire, c'est qu'on va implanter des mini-industries tout le long en fait, de la petite côte. Donc pour que les produits halieutiques, qu'on puisse les transformer sur place, créer de la valeur ajoutée et que par la suite, on va créer une richesse collective qui sera équitablement partagée entre les différents acteurs. Donc tant qu'on a un développement inclusif, tant qu'on a un développement où on mobilise l'ensemble des forces vives de cette nation. Parce que la dernière fois, le président Ousmane Sonko le disait, si tu as une population de plus de 65% composée de jeunes de moins de 25 ans, tu as un fort potentiel. Toute cette énergie-là, nous allons la mobiliser, nous allons la capter pour que chacun puisse participer, donner sa partition au développement de ce pays-là. Donc, très ramassé, parce que Vision PASTEF, avec les projets qu'on a envie de mettre en place, bon, nous ne pouvons pas sur 5-2 minutes, mais en tout cas, pour vous dire que c'est un programme qui va être élaboré exclusivement dans un premier temps pour répondre aux besoins des Sénégalais et des Sénégalaises. Plus particulièrement les jeunes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont désœuvrés. Et nous avons une gale de traverser l'océan Atlantique. Il y a des centaines de jeunes qui meurent. Nous, on va freiner ça avec le projet PASTEF. En leur donnant, en stimulant le patriotisme dans leur cœur. Beaucoup de jeunes Sénégalais n'ont pas la fierté de se donner des mains sénégalais là.
parce que tout simplement, ils sont laissés à eux-mêmes. Maintenant, on va stimuler davantage cette fibre patriotique à chaque jeune Sénégalais et Sénégalaise, pour que vous sachiez qu'ils seront fiers d'être Sénégalais. Donc, à travers des projets structurants à fort impact socio-économique. Un élément que vous savez, c'est par rapport à l'industrialisation. Aujourd'hui, vous voyez, de 1960 jusqu'à nos jours, qu'est-ce que vous voyez ? L'industrie, qu'est-ce que vous Sonacos, Soreftex sur le coton, CSS, le monopole sur le sucre, et tout. Mais il va falloir que nous réinventons notre système industriel. Créer des capitaines d'industrie. Nous supporter le secteur privé local sénégalais. Nous savons que nous allons épauler. L'État va les épauler. Il faut qu'on retourne à l'État providence, à l'État nation, à l'État père. L'État, vous savez, c'est tout le monde. Un élément qui est le sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'il y a des marchés qui ont été beaucoup APR, etc. Donc, cette nébuleuse-là qui tourne autour des marchés publics. Mais également au niveau des postes. Parce que aujourd'hui, la plupart des directeurs généraux, il y a une entreprise jurée, au Sénégal, beaucoup dans le camp du pouvoir, dossier. Alors que nous, et j'espère que le diaspora s'il vous plaît. Parce que ça, c'est une proposition hyper importante. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la diaspora, qui rêvent de rentrer au Sénégal. Mais ils se disent, mais souvent, mais fin l'insérer. Nous, ce projet, c'est l'égalité des chances. Si nous sommes au pouvoir, tous les postes de direction, directeur général, agence, il y a des postes en compétition. Nous mettre en place un comité ad hoc pour savoir que personne ne sait pas qu'il a une compétence, une expertise, il a déposé sa candidature. Comme ça, ce n'est plus le président de la République qui va aller choisir des partisans pour les nommer à la tête des directions. Mais c'est légal, peu importe, beaucoup de pasteurs, si nous accédons au pouvoir, que personne n'a une expertise, si nous lançons ces appels-là, ces appels d'offres, nous pouvons postuler. Et ce comité-là va choisir les 3 ou 4 meilleurs profils. Nous sommes sur la table président. En ce moment, nous avons tout le par-parlo. Par-parlo des guerres. Donc, nous, sur notre projet, c'est hyper important, surtout pour la diaspora. Nous savons que ça regorge d'expertise, ça regorge de talent. Donc, il faut penser, retourner, parce que 2024, Inch'Allah, on va prendre le pouvoir. Et 2024, vous avez votre part à jouer pour le développement de ce pays. Merci beaucoup, Sadiq. Merci beaucoup, Sadiq. Une question à la région. Moi, on parle de vision et de proposition. Vous avez fait un très bel exposé. Mais tout ceci doit être porté par un homme, cette vision-là. Tout ceci doit être porté par quelqu'un qui saura dire aux jeunes, voici la direction à suivre et que les jeunes le suivent. Pensez-vous réellement, au regard de la sociologie du Sénégalais, pensez-vous que nous amenons ce leader capable d'être la locomotive qui va tirer cette jeunesse, tirer cet espoir, tirer ce sentiment de vouloir se développer vers l'idéal de développement? C'est-à-dire, merci beaucoup. Question bi dafa neex ba nga xamné. Je dirais oui, nous l'avons, parce que à la personne du président Ousmane Sonko. Pour la première fois dans l'histoire, tant que nous avons vu le film Bifidjar, un inspecteur des impôts, vous liguez pendant 15 ans, taxaw devant les Sénégalais, nelen képp ku mëna gënné fukki dërëm bu mo mësal loubal té du sama alal mu tang ko wax kenn bo ba légui depuis 2014 ba légui kenn mënul wax né Ousmane Sonko loubal na li wala def na li. Donc en termes de probité morale, koku doy nañu seuk té doy na jeune ni. Benen élément, pour la première fois dans l'histoire, mais mon ami Chérif Diouf la vient de le rappeler. Quand on initiait le projet Bokuna, mais justement, quand on arrivait au Sénégal, l'habitude c'était que parti politique, moi, je suis khalis militant. Pour la première fois, nous l'avons révolutionné. Mais révolution Bokso Amé, c'est parce que les jeunes, plus particulièrement, mais généralement toute la population sénégalaise, ont fait confiance à un homme par sa probité morale, par sa droiture. N'écoute pas un jeu de torture aussi.
Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui est équilibré. C'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui travaille. Donc tout cela a montré des millions de Sénégalais di jël seni dërëm ak seni ñaat dërëm tek ko ci table bi pour que ne ki dina nek président. C'est une révolution parce que à cause de cet homme là justement nous avons changé la mentalité des Sénégalais, nous avons changé la façon de faire la politique. Tay di ni ñi nek fi yeb xolal ma ki jogé Suisse be Canada juste pour un homme, pour la vision d'un homme, ñi jogé be Edmonton, ñi partout dans le monde, tay di ñu retrouver fi au Canada parce que tout simplement ñun ñoo ñep ñun nit mënu ñu joom ci bénn nit. C'est parce que cet homme là a quelque chose en lui et que cette chose là waruñu ko bayyi mu jall. C'est quelque chose de mystique, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelqu'un ko xamné. Je vous dis que bu ñu raté 2024, on le regrettera pour les 50 prochaines années. Merci beaucoup, monsieur. Vraiment, merci beaucoup également à Ibrahima, mais t'as qu'à parce que la réunion, normalement, le public devrait interagir avec les débatteurs. Quand on a dit que les débatteurs sont en paix, donc dans le public, vous venez de suivre, hein. Je vais en profiter pour dire qu'on alterne le français, le Wolof, vous savez, hein. On a ici dans le public des Africains, c'est pour ça qu'on privilégie le français. Beaucoup sont en train de nous suivre sur Jotna Media, donc du voir Sénégalais nous suivre aussi sur Jotna en ce moment, YouTube, Facebook, qu'on privilégie le français parce que nous n'est que fille avec des, nos frères africains. Vous le savez, le parti PASSEF, c'est patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Donc le panafricanisme daf ci ama am solo. Alors tout à l'heure dina am Souleyman dina ñeu wax ak ñun ci finance. Alors je vais juste prendre comme ñu mi ngi goudi, on va prendre peut-être deux interventions ci li ngeen jotta gum dégg. On parle beaucoup de la vision de PASSEF, de son leader. Alors dans le public, je prends deux interventions. Ah oui, monsieur, on se présente. Ah, bonjour, je m'appelle Adi Ndiaye. J'ai bien écouté les interventionnistes et puis je suis très enchanté pour ce que j'ai entendu. J'ai vu beaucoup de passion dans la description du projet. J'ai entendu M. Semou qui est très enthousiaste dans tout ce qu'il dit. Mais il faut faire attention, ok? Il ne faut pas donner de faux espoirs. Les Sénégalais sont ce qu'ils sont. Ils ont des défauts. Nous sommes des Sénégalais, il faut le reconnaître. Nous avons énormément de défauts. J'ai des amis chefs d'entreprise qui me disent, écoutez, le Sénégalais n'aime pas travailler. Parce que dans son entreprise, il voit des jeunes à qui il confie des tâches. Je vais te couper deux secondes. Okay. Je vais couper deux secondes parce qu'on vient de nous dire que... Les gars, s'il vous plaît, on nous a signalé tout à l'heure qu'au fond, on n'entend pas parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc ceux qui sont debout, s'il vous plaît, si vous pouvez vous asseoir. Gaï, l'ini warni dafa am solo lol, ok? Donc nous, déglonté. Merci. Donc, je continue, ok? Ce que je disais, c'est que il n'y aura pas de miracle, ok? Ousmane Sonko, c'est un homme intègre, un homme probe, et puis on le suit parce qu'il donne l'exemple. Et c'est facile de suivre un homme qui donne l'exemple. Donc, pour cela, il y a beaucoup de gens derrière lui. Mais il ne faut pas se leurrer, Ousmane Sonko tout seul ne va pas changer le pays. Donc ça, ça doit être clair pour les Sénégalais que ce changement, il ne se fera pas seul. Il ne se fera pas avec Ousmane Sonko seul. Ça demande l'implication de tout le monde. Et quand on parle de l'implication de tout le monde, ça veut dire que ben, chacun doit connaître le rachas bopam dal, rachas dikom, et puis décider que liguey bi ñun ñep la war. Donc tout le monde doit travailler et se mettre en mode solution et trouver la bonne formule pour arriver à l'objectif commun qui est le développement du pays. Et pour cela aussi, il y a un autre point que je voudrais ajouter, c'est que il y a beaucoup d'idées qui sont lancées, mais j'entends 5000 fermes, c'est très bon, ok? C'est bon de penser à ces choses-là, mais ces fermes-là, ils vont produire,
Est-ce qu'on a pensé, par exemple, à l'écoulement des produits? Il y a énormément de choses auxquelles il faut penser, il faut tout planifier, mettre des plans, penser en avance. C'est un jeu d'échecs. Il faut penser à chaque étape, à chaque pas qu'on va faire, c'est quoi les conséquences, quelles sont les mesures qu'il faut mettre là, etc. Donc, autrement dit, il faut mettre la contribution en contribution les compétences. Je pense que ce sera très important pour que ce projet réussisse. Merci. Merci mon frère. C'est quoi le nom? Adi Ndiaye. Adi, merci. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir? Je vais prendre peut-être une femme. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Une femme. Je privilégie un homme, une femme. Il y a beaucoup de madames, beaucoup de dames dans la salle. On parle beaucoup de parité. Ok, bon, s'il n'y a pas de madame, bon, où ça? Bon, il n'y a pas de dame qui lève la main, fait qu'on va donner... où ça? Ok, très bien. Ok, c'est qui? On se présente, s'il vous plaît. Je demande Olof là. Olof. Salam alaikum, Borki. Salam alaikum, Borki. Nous sommes les gens qui sont santé, si c'est un wifi. Nous sommes comme nous sommes, sonko jusqu'à la fin. Mais man sa ben question la am pour poser len sonko ñi ngi barricade keureum ba legui yeen fi wa diaspora lan moy sen action pour ñu libérer ko pour mu mëna dox ay soxlam ndax fu mu nek ni campagne bi c'est vrai legui mu commencer ñun ba legui dañu bëgg sonko genn gisek ak population bi wax ak nit ñi way ñu koy barricade keureum ñun xam ban action lañuy def mal bop question la bëgg xam. Très bien, dinañ ci ñëwaat. Donc n'oublions pas que merci. On parle ici beaucoup de la vision de Pastef et de son leader. Donc, une question, un commentaire autour de ça pour permettre aux panélistes de répondre. Sur la vision, sur le parti, oui. Salam alaikum wa rahmatoullah. Donc, ñingi nuyu ñep et sant ñep. Mangi tuddu Foule Jabira, le responsable politique au niveau de Pikin Est. Je suis venu en vacances, donc tombé investiture vie, mané donc du moko tardé. Mais je suis un responsable communal au niveau de Pikin Est. Donc dilen djadjefé, dilen sante, dilen gërem, di am contenté bu baax. On vous encourage. En tout cas, ñun ñi nek feulé, suñu xel yépp vraiment ci yeen la nek. Gis nañ vraiment liguey bi ngeen di def. Ma sha Allah. Ñi ngi ñaan Yalla suñu yéene mu yéene ñëpp moy gungé président Ousmane Sonko ba palé té loolu gëm nañ né dinañ ko def parce que Yalla yéene lay fay jëf lay fay té yéene bobu mi ngi ci ñun jëf joju mi ngi ci ñun limay wax rek moy na ku nekk japp ku jappone ben jappal fuk bu kenn décourager bu kenn am xel ñaar bu kenn am xel ñaar wala ngay tok sax na ndax li dina am wala du am nañu japp ne dina am nañ ko gëm comme niñu nekké fi tay comme niñu gëm lolu. Vive le président Ousmane Sonko. Merci beaucoup. Merci le frère. Bon, xamna on a un autre thème tout à l'heure qu'on va développer sur le rôle de la diaspora. Donc je reviendrai au public et pour qu'on puisse avancer, il y en a pas beaucoup de questions en lien avec la vision. Ben on va vous laisser répondre puis après on continue. Voilà. Merci beaucoup Lamine, le premier monsieur qui intervenir. Effectivement, li nga wax lu am la té lu ñuy bay xel la aussi. Parce que Ousmane Sonko oui, c'est le leader, c'est il est important que ñu am leader mu am vision tracée. Mais c'est lui seul, il peut pas faire le changement. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous aujourd'hui aussi nombreux prêts à donc nous retoucher nos marches pour l'accompagner. Donc aucune force vive de cette nation ne sera laissée en rang. On va mobiliser tout le monde une fois au pouvoir. Il y a plus de fingabok ou le flingabok. On va mobiliser tout le monde, toutes les expertises, toutes les expériences autour de ce projet-là. Nous baillons qu'en. Donc parce que nous, sous une vision, comme je l'ai dit, c'est un programme de développement qui, au premier plan,
va répondre aux besoins exclusifs des Sénégalais et des Sénégalaises. Donc, aucun Sénégalais on ne laissera aucun Sénégalais de côté. On va prendre toutes les expériences, toutes les expertises pour pouvoir matérialiser justement ce projet. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de souci. Dans la mesure où même, pour vous donner un exemple, parce que je fais partie des gens qui ont eu la chance, je dirais bien, de participer à la mise à jour de l'actuel programme. Je faisais partie aussi des gens qui ont contribué à la rédaction du programme Jotna de 2019. Donc, pour vous dire que cette année, on a tellement élargi, parce que le parti, c'est le PASTEF est le parti qui compte le plus, je dirais même pas de cadres, mais le plus d'intellectuels, le plus de gens quand même qui ont nous bari xam xam dañ fa bari. Bionni pour nous def mise à jour au programme, on a pu mettre en place 36 équipes techniques. Chaque équipe avait 10 personnes pour travailler sur 36 thématiques. Tout est prêt, le déposer Nenko sur la table du président Ousmane Sonko. Pour vous dire qu'on est toujours dans une démarche participative, une démarche inclusive. Ñepp lañuy laaj bo gisé tay structuration PASTEF ñepp ngay gis les jeunes magu PASTEF jigenu PASTEF tu vois les cadres de PASTEF. On est quand même l'organisation la plus démocratique et la plus je dirais ouverte par rapport à toutes les organisations politiques. Donc cette dimension d'inclusion, de prendre l'avis des autres, c'est vrai, c'est important et on va en tenir compte. Et merci beaucoup pour le conseil. L'autre dame là qui demande qu'est-ce qu'on fait la diaspora pour Guinée Barricade, Guinée Barricade. C'est pas ce qu'elle a demandé, non? Hein? Oui. Voilà, ça, je pense que nous n'avons. Voilà, il y a la dame qui a demandé ce que fait la diaspora pour Guinée Barricade, Binga Kamantane, Mongla Barricade et président Ousmane Sonko. Souvent, l'on publicise pas ses stratégies. Sa stratégie doit rendre publique. Mais je vous assure, ce que je sais, moi, comme le dit souvent mon grand Habib Diop, l'État est entre le marteau d'aller cueillir Ousmane Sonko et en subir toutes les conséquences et l'enclume de lever les barricades et de voir Ousmane Sonko sortir et être accueilli par les Sénégalais. Quel n'est aucun problème, nous nous posons. Dans cette situation-là, Ousmane Sonko se repose d'une part pour préparer l'élection présidentielle de 2024 parce que Mayak Nkodo, les 4 ans, vous reposez. Je suis convaincu que repos de moi, depuis près de 5 ans, il y a une bonne nouvelle, il y a un côté positif là-dessus. L'autre côté, moi, cet homme, tel qu'il est, leader qu'il est, sachant là où il va, je vous assure que, comme nous avons une barricade, nous avons une barricade, maintenant, vous voyez, justement, c'est ça la force de PASTEF. On est à quelques encablures des élections présidentielles de 2024. Il y aura des élections, et Ousmane Sonko participera à ces élections. S'il pense qu'il n'y participera pas, qu'il me dise juste dans quel bureau de vote, dans quelle école, dans quel quartier pense-t-il pouvoir organiser des élections où les Sénégalais qui demandent eux-mêmes la candidature du président Ousmane Sonko iront voter pour quelqu'un d'autre. S'ils ont la réponse, ils n'ont qu'à nous les donner. Nous avons un problème fou que y a un problème qui est posé et sachez que la réponse est devant nous, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. On nous signale que c'est la fin de ce débat, de cette thématique. On va juste donner la parole. Nous avons demandé à Ndiop Taxaw sax d'ailleurs Ben Simon. Vous nous jugez également, vous tenez que ce mot de la fin, cette impression, là où nous en sommes, avant que je le cadre de Djokhat, je vais vous donner mon Lamine et Asto. Donc, Ibrahim, je vais vous donner le cadre. Alors, Amidou,
c'est qu'on offre des services de qualité de façon adéquate, à temps opportun, et qu'il y ait un suivi dans tous les programmes qu'on livre. Ça, on est capable de le faire au Sénégal. Il faut que tout le monde se mobilise et trouver le bon leader et les bons leviers pour l'exécuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aminou. On a eu le cas de Greg Yorkon qui a commenté le maximum. Merci beaucoup, Sadir. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde qui a été déplacé ici. Oui, c'est nous. Vraiment, nous les remercions du fond du cœur. De lancer aussi encore une fois, parce que comme Yalla def na may coordonner le mouvement des cadres ici au niveau du Canada, que effectivement nous avons besoin de toute cette expertise, de toute cette diversité. Parce que tay di ni, en fait, on veut aller plus loin. Gis ngeen tay suñu mairesse Khady Mayekor Diouf est là. C'est une femme battante, Golfe Sud, mo hérité ben mairie bo xamné pendant presque 40 ans de socialisme. Elle fait tout pour s'en sortir. Donc nous, expertise nous avons diaspora, nous devons mobiliser pour accompagner une brave dame comme elle. Et je veux dire aujourd'hui, il faut l'applaudir parce qu'elle fait un excellent travail à Golfe. Et nous devons mobiliser nos expertises pour l'accompagner. Nous avons fait faire Golfe, effectivement, nous avons commencé à faire. Nous, ici au niveau de Pastef Canada, on travaille avec Jamil Sané de Parcelles Sassani, on travaille avec Memoune Dié, on va jusqu'à Belingor, à Bidjona, pour accompagner aussi nos maires, ici, donc les maires de Pastef. Donc encore une fois, merci beaucoup la diaspora sénégalaise, merci les patriotes du Canada et bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur. Déjà, Mayokorne, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit en réalité, il y a un droit qu'à ce projet. Je remercie tout Pastef Canada particulièrement. Ces remerciements, c'est pour moi-même parce que c'est juste qu'il y a une semaine qu'ils m'ont fait savoir que je devais être là. Et voilà, je suis venu. Nous taquons un petit taquin pour rafet. C'est un réel plaisir d'être là, d'être avec vous. D'autant plus que j'ai la chance d'habiter à Thiès avec votre coordonnateur Chérif Diouf. Amadou Chérif Mom. Mom xamna man xamna xana dañ koy ñaanal rek gis ngeen également l'engagement qu'il a. Mes remerciements du fond du cœur. Mes remerciements également à Lamine Nyan. Lamine Mom benen affaire là, c'est mon grand frère, c'est mon ami, c'est mon conseiller. Kon Lamine également je le remercie. Je remercie le bureau de Pastef Canada. Depuis buñ né je devais venir, amul ben jour ben heure bo xamantene wowuñuma di xol le processus pour mu meuna ñew fuñ tollu nak. Kon ñun ñep ma ngi leen remercier, mais je ne peux terminer sans remercier nak ki nga xamantene mom moy sama grand Aliou Gueye. Aliou bëgguma tuddu turam, mais mom xamna man xamna amna ñeneen ño xamantene xamnañ no lien mu dem tay ba dépasser li nga xamantene mom moy Pastef. Di remercier bu baaxa baaxa baax Aram Gassama ak l'honorable député deuxième questeur à l'Assemblée nationale muy soxna Aïcha Touré. Mom également ñoo koy remercier bu baaxa baax. Di remercier ñepp ñi Canada do ngi don rendez-vous prochainement, peut-être même au Sénégal, pour def li nga xamantene moy non seulement la présence, la préparation de la candidature du président Ousmane Sonko, mais aussi sa cérémonie d'investiture en tant que président de la République du Sénégal. Merci beaucoup, Lamine. Merci beaucoup, les gars.
étape qui est le micro ouvert pour donner la parole à nos camarades de la diaspora qui vont parler du rôle de la diaspora dans le processus d'investiture. Nous allons d'abord donner la parole à M. Souleymane Ndiaye, coordonnateur des finances de PASTEF Canada, qui va nous parler un peu de la levée de fonds qui accompagne ce souper d'investiture. Souleymane. Mais pas maintenant. Ah oui, qui vient ici. Ouais. C'est bon. Wow. Donc, Souleymane, je te laisse nous présenter, toi et ton équipe, le travail que vous faites pour la levée de fonds et tous les options qu'il y a pour participer financièrement à notre campagne de financement de PASTEF Canada. Assalamu alaykoum mbokk yi. Ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam. Di leen naan bienvenue dans cette belle soirée. Di bérol loxo nak nuyo bi ci suñu invité yu yanji yi. Jël nuyo bi tek ko ci député madame Aminata Aïcha Touré ak la mairesse, la grande mairesse Khadija Maykor Diouf. Donc di len wax ne comme nu ngeen ko xamé rek suñu coordinateur djundinako. On vient d'investir Ousmane Sonko. Def nañ ko au niveau de la France, def nañ ko aux États-Unis, ñu ngi koy def fi, dinañ ko def fenen ak fenen ak fenen, et lool ñepp ci and. Puisque ñepp ci and nak nit ki soko investiré dang koy may doole. Doolel ko jox ko lu mu defé caution ak lu mu defé campagne. Ñepp xam nañu ne ñun PASTEF depuis que PASTEF bu mu juddo ba tay, pour en fait dire vrai, peut-être depuis 2016 ba tay, ñun on a toujours compté sur les Sénégalais. Parce que dañu ne ñun duñu jël xaaliss fenen fudul ci Sénégalais, duñu dem outil ji xaaliss ci lobby ci certains hommes d'affaires véreux ci étrangers yi. Non, il faut nga nek Sénégalais, Sénégalais Ndiaye mo gis ci sama bop pour nga mëna joxé ñu xamné li dafa law, té Sénégalais fu muy duggal drumam aussi campagne bi su ki ñëwé dina voter. Donc lool mo tax tay ñu bëgg lancer campagne de levée de fonds bo xamné da fay dem fi ba 2024 avant élection présidentielle yi, nga xamné dañuy tek ci table bi plus de 100 millions de francs CFA. Suñ ko défé coordination bu yépp, waaw, suñ ko défé inshallah rabbi ñun tamit dinañu def suñu part. Té gis ni ngeen ni Ousmane Sonko mu ngi def param, ñun tamit Sénégalais nga nek militant, nga nek sympathisant, dang ci wara def sa loxo au moins nga xamné li moy sa participation ci ki bi xex bi. Légi nak campagne bi nga tok jaxan bay l'équipe de Ousmane Sonko et Ousmane Sonko ñu def le nécessaire, et le jour J nga dagu ndank dem voter Ousmane Sonko pour mu nek le 5e président du Sénégal inshallah rabbi, pour qu'on change le Sénégal. Légi sans plus juste goudal pour wax len né équipe finance bu ngeen di gis ni Awa Camara responsable adjointe, Siré Sar responsable qui Toronto PASTEF section Toronto, Makhtar Gueye mom ci équipe présidence finance la bokku, Mohamed Sar équipe communication mais tay dafa jappelé finance, Pape Abdoulaye Kébé nek ci PASTEF commission finance, nga gis Serigne Ibrahim Baye nek responsable section PASTEF Drummondville, nga gis Mamadou Ndaw nek responsable premier responsable adjoint bu président commission finance et en même temps trésorier bu PASTEF Canada. Donc Florence Mako wowe Flo nek responsable section
Finance Québec. En fait, ce que je disais, je sama temps ben 30 secondes de wax li, c'est que PASTEF Canada famille, PASTEF Canada équipe, da ngeen di gis xeyna certaines personnes, certaines individualités, mais le gros du travail ni la. Et ñuy wax né Ousmane Sonko xeyna bis bu jélé réew mi dina am des Sénégalais yo xamné qui sont là et qui sont capables de faire le travail et qui sont aussi dignes que lui-même, mais que le grand public ne connaisse pas. Donc su féké né wol ngeen Ousmane Sonko rek xam ngeen inshallah rabbi dina am nit digne ño xamné ils sont là ñu ci bari ci ñom musuñu def politique musuñu ko def man mi di wax né yeb musuma def politique mais on s'est toujours intéressé à ce qui se passe dans notre pays lool mo tax depuis 2016 depuis fin 2015 batay ñu ngi xex jappalé ñu ngir yalla ngappalé ngir yalla tay ngeen joxé inshallah légui machine amnañu 5 machines membre commission finance dinañu wër autour des tables pour que képp ku bëgg joxé don su féké né virement interact nga ko bëgg def mën nga ko su féké né par carte visa mën nga ko su féké aussi da nga bëgg envoyer par mail paiement interact aussi mën nga ko espèce aussi bañuñu dañuy jël lépp waaw légui nak luñu gënal nak moy vraiment machine pour que ça soit beaucoup plus transparent et aussi en même temps ça va nous aider dans la comptabilité de les remercier de les ziar Souleymane Ndiaye mo len do wax ak yeen responsable finance bu PASTEF Canada. Merci. C'est bon, merci. Souleymane, tu sais le grand défi qui nous attend bu ñu paré ci tout à l'heure xam nga da nga né les machines ça circule on attend à ce que nit ñi ñu duggal seen ay carte. Man je vais t'appeler à la fin. Nga wax ñu ñaata le gaay duggal ci biir machine bi. Est-ce que tu pourras nous le dire? Le problème moy société bu ñuy defal affaire mom daf ñuy virer xaliss bi après. Donc on ne saura pas à l'instant té ñaata la. Non mais parce que man dama la bëggoon jappalé ci liguey bi dé. Bo né ma gaay dajalé nañ 30, mané 30 doyul ñu dem 50. Mais c'est pas grave. Gaay kon jappalé ci bu baax rek. Merci. Alors, merci beaucoup Souleymane et ton équipe pour l'excellent travail que vous faites. Je vais maintenant appeler 3 responsables de la diaspora à venir sur scène et nous allons discuter avec eux du rôle de la diaspora dans l'élection du président Ousmane Sonko. Donc j'appelle Alune Gueye, Idrissa Cissé et Habib Diop à venir sur scène. Merci. Lamine, je te laisse la parole pour cette portion de la soirée. Oui, merci Asto. Alors, vous savez, je le disais au départ, la particularité de cette soirée, c'est surtout d'avoir nos frères qui nous viennent de très loin. Donc Habib, je le disais tout à l'heure, c'est le coordonnateur de PASTEF Suisse, en même temps membre du bureau politique. Tout à l'heure, Chérif a beaucoup parlé du travail magnifique, remarquable que fait le frère Alune Gueye. Idrissa, lui, c'est le secrétaire général, donc il a accompagné Habib. Alors Habib, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Permettez-moi tout d'abord de saluer toute l'assistance, en commençant par le coordinateur de PASTEF Canada, Chérif Diouf, mais également tous les membres du bureau de PASTEF Canada, toutes les personnes qui nous ont très bien accueillis. Donc je pense à Dominique, à Momadou Diakhabi, Semou Diouf, donc Lamine Nia, Chérif Diouf. Et aujourd'hui, comme l'a dit Lamine, je suis venu avec le secrétaire général de PASTEF Suisse, Idrissa Cissé. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti, il est reparti. Donc Idrissa Cissé qui m'a accompagné. Donc aujourd'hui, notre déplacement est justifié à bien des égards. Je pense que le premier point à souligner, c'est les relations amicales et fraternelles qui lient les deux coordinations. Donc raison pour laquelle nous avons tenu à faire ce déplacement. Mais la deuxième raison, c'est tout simplement le fait que PASTEF Canada soit l'une des coordinations les plus dynamiques au niveau de PASTEF, l'une des coordinations les plus innovantes,
au niveau de PASTEF. Donc nous nous sommes déplacés également pour nous abreuver à cette source d'innovation. Et je suis bien placé pour le dire. Donc je vous demande de vous applaudir vous-même parce que vous pouvez être fier par rapport à tout ce qui a été fait au niveau du parti, au niveau de la dynamique du parti. Aujourd'hui, on parle d'investiture. Je rappelle qu'en 2017, PASTEF Canada était le premier pays à faire confiance au président Sonko. Mais PASTEF Canada devait être également le premier pays à investir Sonko. Mais on a chamboulé, donc le bureau politique, j'en fais partie, on a chamboulé la donne en avançant la date d'investiture au niveau national. Mais sinon, PASTEF Canada a pris l'initiative en premier et allait organiser, en tout cas, cette cérémonie d'investiture. Donc, bravo par rapport à cet aspect. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui dans un dîner de gala qui fait également office de cérémonie d'investiture. Mais nous nous acheminons vers un tournant décisif. Rien n'est encore gagné. Ce qui veut dire que nous devons mener nos actions avec tact. Nous ne devons pas trébucher, parce que trébucher pourrait nous être fatal et d'une manière irréversible. Donc nous devons mener toutes nos actions avec tact. Mais également, il ne faut pas suivre le camp d'en face par rapport, en tout cas, au scope sur lequel il veut nous amener. Il faut maintenant bouger le curseur vers notre projet de société. Qu'est-ce que propose PASTEF? Parce que nous sommes appelés à gouverner. Donc c'est le moment également, c'est vrai, au vu du contexte, nous devons combattre, nous devons nous battre pour qu'il y ait une démocratie, pour que le président Ousmane Sonko puisse jouir de tous ses droits civiques et politiques. Mais également, nous devons proposer notre projet de société aux Sénégalais, parce que nous sommes appelés à gouverner. Et par rapport à cet aspect, il y a un levier qui est central. Je l'ai dit, PASTEF est attaqué sur tous les fronts, parce que nous avons attaqué le système. Et le système a beaucoup de ramifications. Raison pour laquelle PASTEF est attaqué par, je veux dire, diverses couches de la population qui font partie du système. Ce qui veut dire que nous devons user d'un levier central, d'une valeur centrale, à savoir la fraternité. Nous devons user de la fraternité. C'est des moments qui sont critiques, c'est des moments qui sont graves. Mais également, au niveau de l'apport de la diaspora, parce que Lamine l'a rappelé, je pense que la diaspora va jouer sur trois leviers. Le premier levier, c'est la préparation à l'exercice du pouvoir. Je ne cesse de le dire. Généralement, on se concentre sur la conquête. Comment faire pour gagner? Mais quand on va gagner l'élection présidentielle, les Sénégalais vont nous attendre sur ce qu'on leur propose, sur le programme, sur le fait de changer la donne. Et je l'ai dit, le premier quinquennat de PASTEF, ça va être un quinquennat sur lequel nous allons nous concentrer sur l'état d'esprit et les comportements et les mentalités. Parce que c'est ça qui pose problème. Nous avons une bonne constitution, nous avons de bonnes lois, nous avons des ressources naturelles, mais malheureusement, nous ne pouvons pas nous développer. Pourquoi? C'est un problème de mentalité et d'état d'esprit. Donc le premier quinquennat, PASTEF va se concentrer sur cet aspect et ça va aller jusqu'au système éducatif. Donc ce sera au niveau de la base. Le premier grade le plus simple pour une personne, c'est d'être citoyen. On est né au Sénégal, on est citoyen sénégalais. Mais le plus difficile, c'est d'être patriote. Donc ça va être tout un processus que PASTEF va développer pour créer un patriotisme. Parce que quand on est patriote, on ne peut pas corrompre et on ne peut pas être corrompu. Quand on est patriote, on fait tout pour mettre en avant l'intérêt du pays au détriment de l'intérêt personnel. Donc c'est le projet de société que nous, en tout cas, que nous souhaiterions mettre en place au niveau du Sénégal. Mais au niveau de la diaspora également, nous avons la chance de vivre dans des pays qui connaissent une certaine démocratie, dans des pays où l'éthique, les principes éthiques et les valeurs morales sont au centre. Donc nous allons également nous battre pour transposer l'éthique, la transparence dans la gouvernance au niveau du Sénégal. Donc ça, c'est le deuxième levier que la diaspora pourrait également apporter au niveau du Sénégal. Mais le troisième levier, c'est dans les pays où nous vivons, nous devons les convaincre. Parce que gouverner, exercer le pouvoir, ce n'est pas simplement au niveau national. Mais il nous faut des partenaires.
Donc, nous, le PASTEF va être ouvert par rapport aux différents partenaires occidentaux. Ce que nous allons mettre en avant, c'est tout simplement le patriotisme sous toutes ses formes, l'intérêt de la nation. Ce qui ne veut pas dire qu'on est contre tout partenariat avec l'Occident. C'est un point qui est essentiel, mais également la diplomatie. Et ça me fait revenir sur la souveraineté. La souveraineté, c'est un principe fondamental sur notre projet de société. Et quand je dis souveraineté, c'est la souveraineté extérieure, donc la diplomatie. Au niveau de la diplomatie, nous allons nous battre pour qu'on puisse adosser la diplomatie à la démocratie, pour qu'on puisse adosser l'éthique à la diplomatie, pour qu'on puisse adosser le respect des droits indérogeables par rapport à la diplomatie. On ne peut pas faire affaire avec un pays qui ne respecte pas les droits fondamentaux. Donc avec l'avènement de PASTEF, nous allons insister sur cet aspect. Mais également la souveraineté intérieure. Quand je parle de la souveraineté intérieure, c'est la force coercitive de l'État. Nous allons veiller à ce que cette force coercitive puisse être équilibrée. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec les forces de défense et de sécurité qui ne poussent pas malheureusement l'orthodoxie républicaine, c'est malheureux et c'est déplorable. Mais également, je ne peux pas terminer sur la souveraineté sans parler de la monnaie. Le projet va sortir, le programme va sortir. La monnaie, il va falloir qu'on en discute parce que le franc CFA nous plombe dans le sous-développement. Que ce soit la libre convertibilité, la libre transférabilité, mais également la parité qui est adossée. Nous sommes une économie de marché et ça ne nous arrange pas parce que l'État n'aura pas de levier sur lequel jouer pour que nos entreprises puissent être compétitives. Donc, je vais terminer en disant que face à l'oppression, la résistance populaire va triompher. Face aux mensonges institutionnalisés, la vérité populaire va triompher. Je vous remercie. Merci, Habib. Assalamu alaikum. Boki Canada. Je me présente, Marie Toudou Aline Gueye. Les deux. Je suis membre de PASTEF USA, plus particulièrement Ohio. Donc aujourd'hui, Mang Fignou andak la chargée des finances de PASTEF USA, Binta Jack, et aussi notre député commune Amérique du Nord, Aïcha Touré. Donc tout d'abord, on remercie la coordination du Canada pour cette invitation. C'est des gens avec lesquels on a beaucoup travaillé pendant toutes ces années. Muti Beri Kinyom, je ne les ai jamais vus. Mais comme vous savez, le projet PASTEF, affaire au hall, on travaille tous ensemble à des distances très éloignées. Mais si nous disons que des frères de sang. Et c'est ça qui est la nouveauté au niveau du Sénégal. On m'a demandé de parler un peu de la contribution que la diaspora doit avoir qui projet PASTEF. Mais je pense que parler de ça, moi, ce qu'on dit chez nous, preaching to the choir, moi, notre de Tidjaka direct. Parce que chacun de vous connaît exactement ce qu'il faut faire.
Cherif Dindino ko tout à l'heure. Moi, je connais les gens du système, ne leen est-ce qu'am ngeen plan B. Ñun ñep je pense ku ci nek amna ko la woné la est-ce qu'am ngeen plan B. Il faut que dès à présent ñu enterrer ce discours là. Ñu enterrer ce talking point là pour man. Et niñ koy enterrer dama bëgg tay ji ni ci investiture Canada ñu jël lolu gas kamb ba mu xoot suul ko depp ko ken dootul wax lolu Sénégal. Donc pour ça je vais vous inviter à un exercice bo xamanteni yeen ñepp vous allez participer. Exercice bi li la l'alphabet français anglais c'est 26 lettres n'est-ce pas. Donc pour chaque lettre on va leur dire kan moy sunu candidat. Ok, donc on commence. Plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, plan G, plan H, plan I, plan J, plan K, plan L, plan M, plan N, plan O, plan P, plan Q, plan R, plan S, plan T, plan U. Diapalène-moi. Hein? RSTU, plan V, plan W, plan X, et un plan Z. Merci Aline. Anna Aram Gassama, est-ce qu'elle veut faire les alphabets arabes aussi? Je pense que tout le monde dirait la même chose. Il était prévu là, donc on parle du rôle de la diaspora. Encore une fois, on va faire intervenir le public. C'était très intéressant dans le public. Comment vous voyez le rôle de la diaspora? Je vais prendre juste deux interventions encore dans le public. Le rôle de la diaspora, qu'est-ce que la diaspora peut faire encore en plus de ce que vous avez entendu? Ah, Siré Aou, Siré. Bon, salam alaikum. Bon, comment est-ce que nous sommes tous les gens? Donc je salue tout le monde et je suis vraiment content de voir que tous les ressortissants du Canada, en tout cas les Sénégalais qui sont dans la diaspora, sont présents. Donc pour moi, ça résume exactement le rôle de la diaspora. D'abord, un rôle de prise de conscience de son rôle. Parce que je pense que nous avions divorcé avec la politique. Beaucoup d'entre nous, on faisait notre travail calmement dans notre coin. On était complètement découragés par le Sénégal et par la marche du Sénégal. Grâce à l'espoir et au leadership du président Ousmane Sonko, tous les Sénégalais comprennent qu'ils ne doivent pas rester dans leur coin, que chacun a son rôle à jouer. Ne serait-ce que cette première prise de conscience de l'importance de donner une petite pierre à l'édifice. Je pense que déjà le président Ousmane Sonko a gagné une bataille, celle de mobiliser la diaspora sur l'impératif de bâtir le Sénégal. Le deuxième rôle, c'est un rôle de, n'est-ce pas, de pouvoir distiller le projet du PASTEF. Et je pense que la diaspora a un rôle, effectivement, non seulement un rôle politique, mais un rôle aussi économique. Parce qu'ici, il y a beaucoup de cadres. Moi, je suis complètement écœuré quand je parle avec des gens. Ils me disent que ce sont des ingénieurs, des informaticiens, des professeurs, des universitaires, des entrepreneurs. Regardez ce qu'on a perdu et ce que le Sénégal a investi sur nous. Au Sénégal, nous avons été formés par des enseignants qui ont été payés par le Sénégal. Nous sommes à l'étranger en train de monnayer notre savoir-faire et notre connaissance. Pour moi, c'est un gâchis. Nous devons maintenant rendre au Sénégal ce que le Sénégal nous a donné. Et comment le faire? Intellectuellement, on doit défendre effectivement le projet du PASTEF. Économiquement, on doit investir au Sénégal
Et culturellement, on doit transformer la conscience des Sénégalais pour qu'ils comprennent que ce qui se passe à l'étranger, dans les pays développés, c'est possible que ça se passe au Sénégal. Et c'est là que j'attends la diaspora. C'est ce rôle de porter le projet du PASTEF, de le démocratiser, que ça entre dans tous les hameaux, dans tous les foyers du Sénégal. Et je pense que vous avez réussi ce travail-là. Parce que moi, je suis vraiment content en 2015 ou 2016, quand je parlais du PASTEF dans ma chambre, les gens me prenaient pour quelqu'un qui rêve. Mais là, quand je vois des jeunes qui comprennent que maintenant, il est possible de transformer le Sénégal, et on a un leader qui porte tous les espoirs de ces gens déçus, je pense que la diaspora, son travail, c'est de continuer le projet du PASTEF, de transformer en réalité, non pas seulement en restant au Canada ou à l'étranger, mais on doit maintenant aller au Sénégal, bâtir le Sénégal pour le bien, effectivement, du Sénégal. Merci beaucoup. Merci Siré. Dans le public. Alors, on prend Mouniru, puis on a notre frère aussi qui vient qui représente le Cameroun. Le Cameroun. Ok, on va lui donner la parole. Merci frère d'être là. Ah ben. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les patriotes sénégalais. Et moi, je suis du Cameroun. Je suis de United for Cameroun, qui est une organisation de la diaspora camerounaise qui se bat pour les mêmes enjeux pour lesquels vous vous battez. Donc je commencerai d'abord par remercier ceux qui ont organisé cette soirée, qui montre la prise de conscience de la diaspora sénégalaise, qui prend la décision de se battre en conjointement avec la population, les patriotes du terroir national au Sénégal. Alors, nous ne pouvons pas continuer à accepter qu'on nous impose des dictateurs au sommet de nos États et qu'on nous impose des bases militaires. Et lorsqu'on a la chance d'avoir un leader politique qui comprend ces enjeux, comme M. Ousmane Sonko, on ne peut que le supporter dans cette démarche-là. Ce qui fait que je suis venu pour représenter la diaspora camerounaise, juste pour donner notre soutien au Sénégal, parce que le combat que vous menez, c'est exactement le même combat que nous menons, et nous devons nous tenir ensemble, nous soutenir moralement et matériellement s'il le faut, pour s'assurer que chaque fois qu'un des 15 pays d'Afrique francophone sort de cet enclos colonial, c'est un gain général pour nous tous africains. Donc, à ce moment-là, je ne prendrai pas la parole pour longtemps. Tout simplement dire à la diaspora sénégalaise de continuer ce qu'elle a engagé pour continuer à supporter le combat dans le terroir national, être la voix du peuple sénégalais, protégé à l'étranger, parce que ici on ne peut pas vous arrêter comme ça se fait à Dakar, et puis vous bousculer, vous brutaliser. Vous êtes le prolongement du peuple sénégalais, tout comme nous, on est le prolongement du... Nous tous, nous sommes le prolongement du peuple africain, partout où nous nous trouvons. Donc, continuons ce support, ne lâchons pas. Vous devez, au-delà du combat que vous avez mené, vous avez eu le premier pas, où le président a dit qu'il ne pourra pas se représenter, mais continuez à aller surveiller, parce qu'il peut faire comme M. Dramane Ouattara, et trouver une condition spéciale pour se présenter quand même. Et de deux, vous devez continuer à surveiller le processus électoral, s'assurer qu'il y ait l'intégrité, la liste électorale, ainsi de suite, et supporter tout ce qui se passe le jour des élections jusqu'à la victoire finale de notre candidat panafricain et patriote, M. Sonko. Merci, merci pour ce magnifique discours. Alors, oui, la sœur, on se présente, s'il vous plaît. Non, dame, lève-toi. Bismillah. Salam alaikum. Man nak sama tour dama koy lepp dama ko wax ndax dafa am fuma bok am fuma joge ñepp ak may xol ñepp may deglu mais je m'assume en tant que tel parce que Sénégal daf ñu ñor té li ñaan time is up dafa jot ki néna daf doon gënt le rêve est permis dafa jot que Sénégal changer chaque jour nga déggé ci média yi nit ñi dé ci gëj gi sa xol da fay metti té dafa wara jeex. Man bama ñëkke ñëw dama tire man lutax Sénégal mënu mel ni lutax mënuñu am li lutax mënuñu def comme ñi mais pourtant am nañu xam bi man ak tay duma lak tubab da ngay may déggal rek sama xol dafa fess bañ mën bul wax waye nak dina wax ndax gemi
wax la jëne il faut que ñu wax ñu dégg ñu pour suñu combat mëna ag le projet Sonko bimu feñal dañu mëne yow mom da ngay virer nak mais nak sa ñoo wax kene jox ma poste kene jox ma dara ma ngi mi ndax man dëgg lay wax mais Sonko ci bopam moko yor ah ba zed nak c'est le projet Sonko légui nga mayama da nga wax le rôle de la diaspora awakamara ma lay nuyu c'est ma promotionnaire de fac xamna bu baax légui awakamara yow lay wax le rôle de la diaspora c'est trois benn bi na ñu roy fi li am lu baax xam nga fi amna lu fi baax mais nañ ko jël yob ko suñu rew moy lan discipline soxla wo policier ce ginnaw pour nel defal li wala defal li amna ko wax lu am solo du sonko rek moy jël il faut un projet de conscience de chaque sénégalais ku nek ci bulgar bo yewo do xaar sonko ñew il faut le faire de manière personnelle d'abord ça c'est un awa ma ngi lay nuyu ça fait 15 ans que je l'ai pas vu ñu nekkon fac droit on s'est battu jusqu'à la fac nous sommes la promotion maître Ablaye Wade 2008 à l'université Charles Diop de Dakar parrainé par le chef de l'état monsieur maître Ablaye Wade kon ki limi diriger dako man ndax dañ ci yag man ma ngi ni am fo neewon ñep nama ñep xol ma ngi ni nama duma légui xola attends je vais couper court je vais dire trois choses la diaspora a un rôle un nañu roy lu bax fi yob ko sun dekk nañu tib xaj fi ne yob ko sédélé ko ñep jot sen wal fi l'état est non c'est sérieux l'état est président derrière chaque canadien mais on sent pas l'état derrière chaque sénégalais le président est là pour voyager dem wouti ken xamou légui je vais prendre la dernière chose c'est le financement l'argent c'est le nerf de la guerre et l'argent il faut que chacun s'y mette donc je me résume trois mots nañu indi compétences nañu roy li ci bax tib sey tib fi dollar yob ko sénégal wa salam merci beaucoup non grave amul problème ken gisou la personne ne te regarde alors je vous invite là on a pris trois interventions la prochaine activité Kousinek, je t'invite à prendre ton téléphone. Vous allez voir, c'est un petit jeu ludique, instructif. Ça demande, c'est un test de rapidité, mais de connaissance du parti. On parle de PASTEF Canada. On parle de PASTEF. On va voir dans la salle qui connaît mieux. Et j'espère que les trois gagnants ne seront pas du bureau de PASTEF Canada. Comme ça, ça va nous révéler que ñi nek ci biti ñoo ëpp doole ñoo gëna xam projet bi que même ñi nek ci biir. Alors, si techniquement, est-ce que c'est prêt? Vous avez juste besoin de votre téléphone. C'est simple. Oui, alors oui, on attend le code pour se connecter. Ok, ouais, on va voir. Ok. Alors, en attendant que ça démarre, je vous rappelle que, on ne l'avait même pas encore annoncé, demain il y a un barbecue organisé par la JPS. Au parc Angrignon à 14h. On vous attend, nos invités seront sur place. Alors, on se prépare à rejoindre la partie en espérant que la connexion va marcher. Alors, vous avez besoin juste de scanner ou simplement de mettre le code PIN. Est-ce que Malé, on avait déjà ou pas? Comment rejoindre? Donc c'est kaout. Est-ce qu'on avait cette information avant? Ok, les gens sont en train de... Voilà, super. Waouh. Samon, Collé, Demba, sympathisants. On est à 20, 21, 22, 23, ça monte. Vous pouvez scanner hein, directement aussi avec votre téléphone. Ça va être plus simple. On est à 33.
Vous pouvez utiliser des surnoms hein, si vous ne voulez pas vous révéler. Bon, à 100, je démarre. Malheureusement, pour les autres qui n'ont pas de téléphone ou qui n'ont pas la connexion Internet, vous ne pouvez pas participer. Alors, on est à combien? On est à 47. Bon, ça doit monter encore plus. Pour les gagnants, on a trois belles surprises. Hein. On est à 51. Donc avec la collaboration de Malé Fofana de la commission communication, donc, on a pu aller chercher quelques petites questions. C'est très simple, mais ça demande beaucoup de rapidité. Est-ce que Malé, c'est bon? On peut, ou alors les gens ils continuent de s'inscrire? 67. Bon, je pense que pour les autres, on va pouvoir démarrer Malé. OK? Alors, ah, ça monte encore, 68. Bon, ça monte. Malé, on attend encore. Peut-être à 80. C'est bon. Ok, c'est parti Malé. Alors, la première question. Alors, la première question, c'est parti. Alors, que signifie l'acronyme PASTEF? Est-ce que c'est Panafricain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité? Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité? Patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité? Ou patriote sénégalais pour le travail, l'éthique et la fraternité? Bien sûr. Ah, c'est rapide, oui, c'est un test de rapidité, je vous l'avais dit. Alors, la réponse est patriote africain pour le travail, l'éthique et la fraternité. Prochaine question, Malé. Ah, vous voyez pas? Oh. Alors, pour l'instant, c'est Fa qui est en tête. Prochaine question. On voit pas les questions. Je sais. Malé, on attend un peu le temps qu'on déplace parce qu'il y en a qui ne voient pas bien les questions. Merci, Amidou. Merci, Matar. Ça va mieux? Ok, oui, prochaine question, Malé. Alors, quelle est la date de création du parti PASTEF? Est-ce que c'est 12 janvier 2014, 4... Oups, on l'a perdu. 4 janvier 2012, 4 janvier 2014, 8 janvier 2023? Et la bonne réponse est le 4 janvier 2014. Il y a 32 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Mais encore une fois, c'est une question de rapidité. Question 3. Ah, bon, Fa a perdu la première place. Là, c'est Moïse Gay. Question 3. Quel animal est l'emblème du parti? Le léopard, le tigre, le lynx ou la panthère?
Oui, c'est la panthère. 21 personnes ont trouvé la bonne réponse. Moïse, ah, c'est Koumbis. Koumbis est en tête maintenant. Prochaine question, Malé. Alors, quel sujet intéresse PASTEF dans le débat politique? La souveraineté monétaire, la fiscalité comme levier de financement, la gestion de nos ressources naturelles, ou c'est toutes ces questions? Alors, c'est bien sûr... Ouais, c'est toutes les réponses, bien sûr. Alors, il y a 59 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Alors, qui est en tête? Alors, Laïjata, cher Laï, mon voisin. Laï est en tête. Alors, prochaine question. Le parti a pour devise quoi? La patrie ou la mort? La patrie au-dessus du parti? Le don de soi pour la patrie? Ou un but, un peuple, une foi? Oui, c'est le don de soi pour la patrie. Alors là, il conserve toujours la première place. Prochaine question. Alors l'idéologie du parti, c'est quoi? Est-ce que c'est le socialisme, le libéralisme, le communisme ou aucune de celles-ci? Ah non, faut pas souffler la réponse. Hein. Bien sûr. Alors, ce n'est aucune de ces réponses. Ben, y en a quand même qui ont répondu. Hein. 3 socialisme, 5 qui ont dit le communisme. Mais non. Alors, c'est que Nanan qui prend la tête. Laï, deuxième. Et Moïse, troisième. Alors, regardez bien, rapidité, de quelle personnalité il s'agit? Vous allez voir, le visage va se révéler. Bassirou Diomaye Faye, Amidja, Fadilou Keita ou Hannibal Jim? De quel personnage il s'agit? Ben oui, c'est Bassirou Diomaye Faye, bien sûr, le secrétaire général du parti. Alors, Sek Nanan qui garde toujours la première place. Alors, le président Ousmane Sonko, la question. Alors, quel âge il a le président actuellement? Est-ce qu'il a 50, 45, 49 ou 54? C'est quoi son âge actuellement? Alors, il vient de célébrer son anniversaire ce 15 juillet. La semaine passée. Toi, tu connais la date. Alors, il a 49 ans, notre cher président du parti. Alors, qui... Ah, Sek Nanan, il est bon. Il regarde toujours la première place. Hein. Alors, pour décliner sa vision du Sénégal... Quel est le titre du livre écrit par le président Ousmane Sonko? Est-ce que c'est solution pour un nouveau Sénégal, solution pour un Sénégal des valeurs ou solution pour un Sénégal nouveau? Alors, c'est solution pour un Sénégal nouveau. Souvent, beaucoup se limitent à solution, mais le titre complet, c'est solution pour un Sénégal nouveau. Alors, Sek Nanan, toujours en tête. Prochaine question. Le PROS a commencé à travailler aux impôts et domaines en quelle année? Est-ce qu'il a commencé là-bas en 2001, 1998, 2004 ou 2008? Moi, je suis content. Je ne vois pas encore un membre du bureau là en tête. C'est ce que je voulais. En quelle année?
Alors, le procès a commencé là-bas en 2001. Alors, Sekindanan, toujours en tête. Bravo, Sekindanan. Il ne reste plus beaucoup de questions. Dans quel livre on retrouve ce passage dont l'auteur est le président Ousmane Sonko? Regardez bien. Personnellement, ma vie a toujours été un engagement au service des causes auxquelles je crois, celles que je considère comme nobles et utiles pour la communauté. Cet engagement n'a jamais eu de soubassement ni de motivation égoïste. Il est resté constamment désintéressé. Est-ce que c'est dans Solution pour un Sénégal nouveau, dans les territoires du développement, pétrole et gaz, chronique d'une spoliation ou le Sénégal au cœur? Dans lequel de ces livres se trouve ce passage? Ça veut dire qu'il faut, avoir lu hein, le livre. Alors, ça se trouve dans Pétrole et Gaz au Sénégal. C'est dans l'avant-propos du livre. Alors, on vous invite bien sûr à lire l'ensemble des ouvrages écrits par le président Ousmane Sonko. Alors, Sekindanan qui reprend la première place. Bravo Sekindanan. Alors, à l'université Gaston-Berger, le prof a fait ses études en quoi? Est-ce qu'il a étudié en fiscalité, en mathématiques, en administration ou en droit? En fiscalité? Ok, on verra. Il a étudié en droit. Alors, oui, il a étudié en droit, mademoiselle. Non, ce n'était pas en fiscalité, en droit. À l'UGB, après à l'ENA. Alors, Sekindanan conserve toujours la première place. Prochaine question. À quel endroit du monde le parti PASTEF a obtenu sa toute première victoire électorale? C'est où? Est-ce que c'est à Bessiré, à Ziguinchor, à Bignona ou à aucune de ces... Où? Donc c'est dans aucune de ces réponses, bien sûr, c'est à Montréal, au Canada, on va dire. Au Canada. À quel endroit du monde l'autre question. Alors, la prochaine, c'est Sekindanan qui garde toujours la première. On a 23 questions, c'est la 18e question. Quelle est la date de la venue du PROS au Canada? Est-ce qu'il est arrivé ici? Et c'était dans cette salle où on l'attendait. Hein? Malheureusement, il est venu seulement le lendemain. Est-ce que c'était le 12 qui est arrivé ici? Est-ce que c'est le 11 novembre? Est-ce que c'est le 8 novembre 2018 ou c'est le 12 novembre? Alors, je viens de le dire, il n'est pas venu le jour J, mais il est venu le lendemain. Donc, la réponse est assez claire. Alors, il est arrivé ici le 12. On l'attendait le 11, mais c'est le lendemain qui est arrivé ici. C'était le 12. Alors, Sekindanan, tu es bon. Il garde toujours la première place. Alors, au Canada, en 2018, le PROS a rencontré les députés Greg Fergus, Mona Fortier, André Fortin et François Choquette. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ces députés-là, quand il est venu ici en 2018, est-ce qu'il les a rencontrés tous ou pas? Oui, c'est vrai, il les avait tous rencontrés avec le travail formidable de la coordination de PASTEF Canada. Sekindanan, toujours en tête. Alors, dans quel secrétariat national du parti retrouve-t-on le plus grand nombre de membres de PASTEF Canada? Le PASTEF Canada très impliqué au niveau national. Dans quel secrétariat? Est-ce que c'est dans la communication, dans le secrétariat aux opérations électorales, au secrétariat national aux finances ou dans le secrétariat national à la massification? Alors, c'est dans le secrétariat national à la communication avec Madame Mami Gassama qui est ici, Madame Nafissa Adjadramé et moi-même. Donc, c'est dans la communication. Alors, prochaine question. On s'approche de la fin. Au législatif de 2002, il y a 1363 électeurs qui ont voté au Canada. Quelle est la différence de voix entre Yéhui à l'époque, où il y avait PASTEF, bien sûr, et Benno? C'était quoi la différence de voix? 350, 1800, 1057 ou 2700? La différence de voix. Voyez, on parle de 1300 électeurs. La différence de voix était de 1057 voix.
sur 1353. C'était énorme, hein, la différence. Alors, il nous reste encore deux questions. PACIEF Canada n'a pas été à l'origine de quelle initiative? Chérif en a parlé tout à l'heure des initiatives. Alors, on a Wurndombo, Némé Koutour, Dolel Sounouar ou Bokuna. Dans laquelle de ces initiatives, PACIEF Canada n'a pas été à la base? Dans laquelle? Alors, c'est Dolel Sounouar avec notre sœur Khadija Mayekor qui coordonne ça ici présente. Donc, c'est dans Dolel Sounouar qui vient du Sénégal l'idée. Alors, la toute dernière question. Je vois aucun membre de PACIEF Canada. Alors, cette photo renvoie à quel mouvement de PACIEF? Est-ce que c'est le MODAP, c'est le mouvement des Domoudara? Est-ce que c'est le MONCAP, le mouvement des cadres? Est-ce que c'est la JPS, la Jeunesse Patriotique du Sénégal, ou le MOJIP, c'est le mouvement des Djiguenou PACIEF? Alors, on les voit par leur accoutrement, leur tenue, leur style. C'est la JPS. Donc, c'était une façon de rendre hommage à la JPS. Donc, les résultats. Alors, le podium, troisième place avec Mamadou Vin. Mamadou, il est où? Merci. Nos applaudissements à Mamadou. La deuxième place qui revient à Moïse Gueye. Et la première place, c'est Sek Ndanan. Bravo. Alors, vous savez, on a une sœur qui nous a fait une belle surprise. Elle nous l'a amenée tout à l'heure. C'est des écharpes. Voilà, on va lui demander de venir. Je pense que c'est Yvette. Hein? Yvette, si tu peux venir. Donc, c'est... Ah oui, avec en plus, il y a le mannequin. Donc, c'est en soie. Alors, on va demander à... La troisième place, c'était Momodou. Alors, je vais te donner, tu vas lui remettre. La deuxième place à Moïse Gueye. Moïse. Moussa, c'était toi? Alors, et la première place, c'est Sek Ndanan. Ah, Sek! Bravo! Alors, et moi, j'ai envie d'offrir un cadeau. Hein, parce qu'on avait une quatrième. Bon, je te laisse le soin de choisir dans la salle à qui tu as envie d'offrir cette écharpe-là. À une femme, mais bien sûr, c'est à toi. Hein. La sororité. Donc non, les gars, baissez vos mains là, elle va le donner à une femme, elle l'a déjà dit. Alors merci, alors Astou, prochaine, je te laisse la parole. Merci, merci pour la belle participation, merci beaucoup. Merci Lamine et merci à toute l'assistance pour votre belle participation. À ce petit intermède ludique. Ça a été très intéressant et je pense que ça vous a diverti et permis de digérer votre beau repas. Maintenant, nous allons passer à l'invité surprise. Est-ce que tout est OK pour notre invité qui nous rejoint par vidéoconférence? Qui est cet invité surprise? Avez-vous des idées? Pro, il y en a qui disent pro, vous pensez? Hein? Est-ce que c'est Ousmane Sonko ou c'est quelqu'un d'autre? Bon, on croise les doigts, on croise les doigts. Même moi, je ne sais pas c'est qui l'invité surprise. Est-ce que l'invité est prêt? La régie? Pas encore? OK. Encore quelques minutes pour faire la connexion.
en espérant que tout se passe bien. La technologie, des fois, nous joue des tours. Mais bon. J'espère que l'Internet fonctionne bien au Sénégal en ce moment. Au moins, vous savez que l'invité surprise est au Sénégal. Bon, j'ai donné un petit indice. Je ne vais pas vendre la mèche. Hein. Attendez que... Sinon... Je vais en profiter pour meubler un peu le temps et vous demander, est-ce que vous avez vos bracelets de la liberté? Ils étaient, montrez-les-moi, montrez à l'assistance que vous avez vos bracelets de la liberté. Ah, on aime ça, voir ça. J'espère que tous ceux qui sont là ont acheté leurs bracelets pour eux et pour leur famille et leurs amis. N'hésitez pas parce que ça fait partie aussi de notre levée de fonds. Merci, merci à vous. Ça fait plaisir. Donc, ça fait partie des initiatives pour amasser des fonds pour PASTEF Canada et PASTEF en général. Alors, achetez-les en masse, $5 l'unité. Hein? Donc, c'est un petit geste qui peut faire une grosse différence parce que chaque petit sou compte et c'est les petits sous qui font les grosses sommes. Donc, je vous remercie tous. Et la régie. Bon, peut-être on va passer à la suite du programme vu que le temps nous presse et peut-être la connexion sera rétablie d'ici là. Lamine, donc est-ce qu'on passe à la dernière partie de cette soirée qui est la cérémonie d'investiture avec les interventions de nos invités spéciaux. J'appelle en premier honorable Aïcha Touré, Madame Touré, membre de l'Assemblée nationale et deuxième questeur à l'Assemblée nationale qui est aujourd'hui présente à notre cérémonie. On parle de notre député là, à nous, quand même. Un peu plus pour la... Député de l'Amérique du Nord et de l'Océanie, c'est oui, ça? Exactement. Merci beaucoup. Enchantée, Madame Honorable Aïcha Touré. Je vous laisse la parole. Alors, assalamu alaikum bolomi. En tout cas, je suis très ravie d'être avec vous ce soir. Je viens des États-Unis présentement, mais même si je suis au Sénégal, je suis au Sénégal. Je m'en vais vous lire un tout petit discours que vous savez, je suis au Diaglel Bosbou Magbi. Pourquoi je suis au Bosbou Magbi? Parce que l'investiture de chaque année, du candidat qui est au du homme politique pour nek mokoy am ci carrièream rawatina investiture bi nga xamantene kiñ koy defal là c'est une demande populaire. Alors mes chers compatriotes, chers amis, il me plaît d'être ici aujourd'hui pour cette belle initiative. En effet, le Canada a toujours été précurseur de très grands projets de PASTEF avec des patriotes déterminés, engagés, mais surtout conscients des enjeux de l'heure. Je tenais ainsi avant tout à souligner l'excellent travail que mène Amadou Chérif Diouf, Mobadungen Maïkoloho, et toute son équipe dans le parti. Le parti a besoin de chacun de nous. Le Sénégal a besoin d'une masse critique de ses fils. Et j'emprunte la pensée du président Ousmane Sonko pour amorcer les changements profonds tant attendus. L'Afrique a besoin de ses dignes fils pour un sursaut patriotique qui la sortira des méandres de la pauvreté. Mes chers amis,
Lorsque j'ai vu le programme de ce soir, j'étais très touchée, vraiment très touchée. Je suis touchée de voir que l'écrasante majorité des Sénégalais, de l'intérieur comme de l'extérieur, que dis-je, de tous les panafricains, parce qu'il y a notre ami et frère du Cameroun qui nous a beaucoup émus tout à l'heure. Bonsoir, cher ami et frère. Pour dire tout simplement que PASTEF dépasse les frontières avant et même quand il a choisi de donner la signification de A africain, ce n'était pas le cas au début. Porte un immense espoir au projet que porte le président Ousmane Sonko. Quelle chance inouïe d'avoir les Africains avec nous dans ce projet, parce que c'est en fait un projet africain. Ousmane Sonko étant une chance pour l'Afrique. Mes chers compatriotes, il nous reste 7 mois. 7 petits mois pour réaliser le rêve de nos devanciers. Et je veux dire, cher Anta Diop, Mamadou Dia, entre autres, de voir le Sénégal et l'Afrique libérés des poids qu'ils traînent depuis l'indépendance. Mes chers, merci, PASTEF Canada, de l'honneur que vous m'avez fait, vous nous avez fait, de nous convier à cette cérémonie. Mes chers amis, j'aimerais que nous marquions un temps de pause et qu'ensemble, nous pour dénoncer ce qui se passe au Sénégal et l'état de siège dans lequel le régime de Macky Sall a placé le président Ousmane Sonko. Ce qui se passe au Sénégal doit nous alerter. Et je sais que ça nous alerte. C'est la raison pour laquelle partout dans le monde, les Sénégalais se battent. Il emprisonne et brime, mais que Macky Sall se tienne pour dire « rien ne nous détournera de notre objectif ». Mes amis, permettez-moi de convoquer l'histoire ici. Mes chers amis, je convoque l'appel de De Gaulle du 18 juin 1940 depuis Londres sur la BBC, qui demandant aux Français de faire bloc pour refuser de capituler et libérer la France. Mes amis, l'histoire s'écrit, alors que l'histoire retienne et que Macky Sall le note, que les patriotes que nous sommes plus que jamais déterminés et rien ni personne d'ailleurs ne pourra nous empêcher de bâtir un Sénégal meilleur, ça c'est sûr. Il me plaît avec vous, ici, circonscription et pays dans laquelle le président Ousmane Sonko a eu sa première victoire en 2017, de me joindre à vous pour l'investir. Quel bol symbolique ici avec vous. Mes chers compatriotes, je demande à tout le monde de se lever et de me permettre de lire ce dernier paragraphe qui va être certainement retenu dans l'histoire. Permettez-moi de finir cette dernière phrase. Président Sonko, Sonko, merci. Président Sonko, merci. Chers compatriotes,
compatriotes, permettez-moi de lire avec le cœur ce dernier paragraphe de mon texte de ce soir. Mes chers amis, moi, Aïcha Touré, citoyenne sénégalaise, j'ai l'insigne honneur d'investir encore 1 million times le candidat des cœurs, le candidat de l'espoir, le candidat du peuple pour l'élection présidentielle de 2024. Il s'agit bien sûr du candidat de rêve, Ousmane Sonko. Merci beaucoup, honorable Aïcha Touré. C'était puissant. Et merci à l'assistance pour ce beau témoignage de soutien à la candidature du président Ousmane Sonko. Je pense que maintenant, notre invité est prêt, la régie. Est-ce que l'invité est prêt? OK. Donc, on vous le présente à l'écran. Est-ce que l'un est projeté à l'écran? Monsieur El Malik! Monsieur El Malik Ndiaye! Monsieur El Malik Ndiaye! Ne soyez pas déçus, monsieur El Malik Ndiaye! Responsable de la communication de PASTEF. Ne soyez pas déçus, ne soyez pas déçus. Il est le porte-parole de notre président Ousmane Sonko, aujourd'hui empêché. Donc on laisse la parole à monsieur El Malik Ndiaye, responsable de la communication de PASTEF. Merci. Est-ce qu'il nous entend, El Malik? Wow. Alaykoum salam. Bismillah, El Malik.
Et le monde qui est
Alors, vous savez, tout à l'heure, nous avons dit Gaï, Kounek, et Fini Tolo, l'importance de la soirée, de la cérémonie, de la machine de Dial. Apparemment, on a levé un montant. Souleyman, Gaï, nous avons dit pour Gaï Tolo. Parce que nous avons dit que waaw Lamine waaw avant tout d'abord je voudrais remercier vraiment gars yi dans le monde quoi si je gars yi les personnes qui veulent donner mën nañ def un virement interact tay nak bokku bi tay mom da ngay def leg mais après tay lay wax toutes les personnes qui veulent donner il faut faire un virement interact via l'adresse financepastefcanada@gmail.com finance avec s soko defé rek via interact xaliss bi dafa jogu ci compte bi directement et ñun on fait des updates waaw Pastef Canada xam nañ ko dañu def des updates au fur et à mesure donc di def des bilans pour que gars yi xam affaire yi fan la tollu té lolu ci da fay tax nit ñi gëna sawar gëna jox donc l'équipe va repasser ñu défat benen tour di aussi remercier rek remercier vraiment les grands donateurs tay je peux nommer dame Tal qui nous a donné un montant de $1,500 canadiens. Je remercie notre frère Alun Gueye, bon, je ne sais pas beaucoup, mais il faut me dire quand même, qui nous a donné $1,000 US. Donc, quand même, qui est beaucoup. Je remercie Pastef Suisse qui nous a donné un $500. Tout ça pour dire que, $500, $1 pour nous, en fait, c'est la même chose. L'essentiel, c'est de participer. De l'indiage de merci. Merci, Souleyman. Gaye, $34,000 d'abord. Le défi, moi, je vais vous dire la soirée de 48 matchs. Je sais que Gaye, maintenant, il faut. Souleyman et son équipe, n'imaginez pas. $40,000, je vais vous dire. Avant de clôturer, je veux que nous terminions avec l'autre. L'autre défi, moi, $1,500. Là, on va chercher quelqu'un qui va relever le défi de doubler ça, ce montant-là. Un $3,000 dans la salle. Je sais qu'il y a un peu de Gaye, Aïchelen. Alors, Assou, c'est qui Lamine, voilà, m'a invité sur nos prochaines
intervenante, mais pour gagner que nous suivons, nous allons voir 34 000 dollars, ça fait rien, c'est fait. 34 000 dollars, on est à combien? Hein? 15 millions. 15. Donc, vous n'êtes pas à ce pour ceux qui nous suivent et qui sont nombreux sur Facebook, YouTube, de Jordan, tu sois arrivé direct, gagner 15 millions. Quand mon bonheur? Quand mon bonheur? Ça est le Kenen Mounoukou Am au Sénégal. Kenen Mounoukou Am. Et l'Inkadevéni, je suis certain que pour que les États-Unis, ils vont faire le double, France la même chose. Parce que devant Ablo Hamedani, mon le gars, il est le plus beau comme moi, notre amour pour le Sénégal. Et aujourd'hui, c'est incarné par un homme, le président Ousmane Sonko. Alors. Merci beaucoup, Lamine. Donc, nous avons barré l'affaire parce que le temps file et on doit rendre la salle. Donc, Légui Manguo, notre sœur et mairesse de Golf Sud. Madame Khadija Maïkordou, pour la prochaine intervention qui cérémonie d'investiture. Madame Diouf. Alors, en attendant que Khadija monte, qu'elle prenne la parole, on annonce donc pour la Suisse, donc il y a une cérémonie d'investiture, c'est le 29. Donc, Gaï Gutimit, chérif, nous avons une délégation le 29 juillet. Donc, la Suisse, nous avons Habib Diouf, Idrissa. Donc Suisse, prochaine destination. Alors, Madame le maire de Golfe, Khadija. Merci beaucoup, Lamine. Je suis très, très, très heureuse d'être là. Je suis honorée. Je pense que c'est des moments à vivre pour Pastef, pour le Sénégal et pour l'Afrique. Je commencerai mes salutations par honorable Aïcha. Vous avez mon respect et mon admiration. Et je crois que ça va être très, très difficile de parler derrière vous, mais je vais essayer. Je remercie Pastef Canada à travers M. Chérif Diouf, que j'appelle communément mon papa, parce que mon papa s'appelle Chérif. Et Diouf, parce que mon mari est un Diouf, donc vous êtes doublement quelqu'un d'important pour moi. Et je vous remercie pour le travail que vous êtes en train d'abattre pour le parti. Je remercie beaucoup tout Pastef Canada. J'ai senti beaucoup d'affection, beaucoup d'engagement, de détermination. J'ai senti vibrer Pastef Canada. Je comprends maintenant quel est le moteur qui pousse Pastef Sénégal. Ce moteur part d'ici, au Canada, pour vibrer partout, en Europe, aux États-Unis, au Sénégal, à Ziguinchor, à Fongolemi, partout en Afrique, on parle de Pastef. On parle des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Mais surtout, on parle de cet homme qui s'appelle Ousmane Sonko, cet homme qui a révolutionné la façon de faire la politique au Sénégal. Cet homme qui nous a nous tous poussés à nous engager en politique. Cet homme qui représente aujourd'hui l'espoir de toute une nation, mais surtout l'espoir de tout un continent. Voilà aujourd'hui la chance que nous avons au Sénégal de pouvoir investir un homme pétri de valeurs, pétri de talents. Ces valeurs que sont le Diom, le Foul, le Faïde, le Courage, mais aussi ces valeurs que sont le travail, mais aussi ces valeurs que sont la souveraineté pour notre continent, pour notre pays. Voilà cet homme aujourd'hui qui, à travers cette photo que je regarde, nous regarde du haut de sa prison. Oui, le président Ousmane Sonko est en prison. Oui, nous avons plus de 700 détenus. Oui, Pastef a souffert. Oui, ils ont essayé de détruire Pastef. Ils nous ont taxés de terrorisme. Ils nous ont taxés de tout ce que vous savez, que je n'ai pas envie de dire ici, parce que nous vivons un beau moment. Mais Pastef est là. Pastef est là. Pastef est là. Pastef est là. Pastef est debout. Et surtout, Pastef est prêt à écrire les nouvelles pages de l'histoire du Sénégal et de l'Afrique. Et personne, je dis bien personne, ne peut arrêter ce vent de changement, ce vent de renouveau, cet espoir, cette révolution, mais surtout ce candidat
que nous portons, ce candidat que le peuple a plébiscité, ce candidat qui, à travers ici, à travers Pastef Canada, nous avons investi. Il sera, Inch'Allah Rabbihi, si Dieu le veut, le cinquième président de la République du Sénégal. Je vous remercie. Je le rappelle, hein, demain, c'est la JBS qui organise son barbecue. Donc, on vous attend tous, Parc en Grignon, 14h. Je sais que là, il fait tard, vous n'avez pas eu le temps peut-être d'échanger avec Hadija Maïkor, avec notre député Aïcha Touré, avec les Habib, les Idrissa, les Alun Gueye, Binet. Donc, ils sont encore là, c'est-à-dire top. Ils sont encore là demain, ils seront présents au barbecue. Donc, ça va être beaucoup plus informel. Ça va être relax, soyez là, Dorlen Sen Aïchok, Sen T-shirt, c'est tranquille. On va se retrouver là-bas, voilà quoi. Donc c'est demain, Parc en Grignon à 14h, d'accord? Donc nous allons faire une photo, waxtaan ak ñom. Ça va être vraiment un moment plus familial, on va dire. On va garder la familiarité, ça va être plus convivial, plus proche. Alors, avant de terminer, Astou, est-ce qu'on a une autre intervention? Non, je pense que malheureusement, on va devoir s'en arrêter là. Il est déjà 23h33 et on doit libérer la salle. On vous remercie infiniment, infiniment. Avant que vous partiez, donnez-moi juste 2 minutes, s'il vous plaît. Avant que vous partiez, je vais donner la parole à M. Amara Seydi pour conclure. Pour donner le mot de la fin, M. Amara Seydi. Et on souhaite, et ensuite nous allons. Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-nous deux minutes. Deux minutes. De vous asseoir, on termine en beauté. Pour qu'on puisse terminer en beauté. Hein, voilà. Soirée, j'espère. Donc on termine. Ce ne sera pas long, Amara. Non, ça va pas 30 être... secondes. Stop. Ça va pas être long, mais. J'ai une responsabilité, vous savez. Hein. Ma responsabilité est que je vois dans la salle ici des membres de la communauté, des leaders d'opinion, des présidents d'associations. Je vais vous nommer le doyen Barambeng. Je vois les gens de Idara, Ismaël Diop. Je vois ici Wakaza Espoir. Et c'est des gens qui ne sont pas du tout, en général, mobilisables dans des circonstances pareilles. S'il se présente dans une organisation de Pastef Canada, c'est parce que nous avons eu le gros morceau. J'aimerais vraiment les applaudir et leur dire merci beaucoup. Lamine, tous les gens de la salle, vraiment, j'aimerais quand même que vous applaudissiez nos deux présentateurs ici, Lamine Niang et Astou Diop. Alors, puisque le temps nous est compté, je ne peux pas m'empêcher quand même de remercier nos invités qui nous viennent des États-Unis, du Sénégal. Vous avez vraiment, vous méritez notre honneur, n'est-ce pas? Nous aussi, on voulait vraiment remercier tous les organisateurs ici, les bénévoles surtout. Je ne peux pas les nommer, comme vous savez, le temps nous est compté encore une fois. Hein? Mais la seule chose, le mot que je voulais porter, vous savez, une cérémonie d'investiture, n'est-ce pas, c'est aussi un moment d'espoir. Un moment d'espoir. Et notre sœur nous l'a dit tantôt. Et quand vous lisez Sonko, Sonko le dit, il dit que nos peuples ne rêvent pas de puissance ni de grandeur. Nos peuples, et quand il dit nos peuples, c'est l'Afrique. Nos peuples rêvent de progrès, d'éducation, de santé, d'emploi. Et nous y croyons. Et c'est cet espoir-là, Montar, que chacun de nous doit redoubler d'efforts, s'engager, continuer à s'engager, parler à vos familles. Parlez à vos amis et ne pas surtout pas se décourager. Donc vraiment, c'est le mot que je voulais placer
remercier tout le monde. Chérif Diouf, je parle au nom de Chérif, parce que vous savez, quand vous regardez Pastef Canada, au départ, c'était Chérif, c'était Amidou, c'était Laminia, c'était Léonie, c'était Souleymane Ndiaye. Ouais. Donc vraiment, nous avons un fit. Donc c'est le moment aujourd'hui aussi de les remercier, Chérif. Et j'aimerais que tous ces gens-là, hein, ils se connaissent, qu'ils viennent ici, on va prendre une photo de famille et pour terminer la soirée en beauté. Encore merci. Une fois, merci beaucoup, Astu. Merci, Astu. Merci. Je rajouterai dans la liste, il y a des noms qui ont été cités, mais il y en a qui ont fait un travail extraordinaire. Malheureusement, en ce moment, ils sont un peu souffrants, donc ils veulent gagner Nyan. On pense surtout à notre cher Ibrahim Abba, oui. À Salim Dieyou, que tout le monde connaît ici. Donc, voilà, nous, sans eux, on n'est pas celle Canada, etc. Et à nos malades aussi, à Amen. Merci beaucoup, photo de famille, et puis voilà. Djeredev, Djeredev, DJ, lance la musique, on va finir en beauté. Binet, allumez, s'il vous plaît, le bureau.